Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment est-ce que ça va? Salut Chris, comment salut, tu vas? Salut, j'espère que vous allez bien. Ouais? Ouais, ça va très bien. Toi, ça va? Ouais, moi ça va. Ça, toi, ça va? J'ai peur un peu, hein. Je suis mort, c'est fou, le concept on l'a commencé il y a pas si longtemps et ça commence à faire peur, Je suis venu mais... En vrai, pour te rassurer, personne n'a quitté ce studio là en étant énervé ou quoi, à chaque fois ça s'est super bien terminé. Ok, bah donc, c'est bon. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas de galère. Je crois que le nom est trop bien en fait. Ouais, dans la sauce là, je te jure qu'il fait peur quand même, hein. Quand t'arrives il fait peur mais bon, il est bien trouvé. Il est bien trouvé, je suis d'accord. Et d'ailleurs c'est le chat qui a trouvé le blaze, merci à vous le chat d'avoir trouvé ce blaze qui est vraiment... Il laisse pas indifférent. Juste pour t'expliquer, Chris, bon là, tu le vois, t'as le chat, t'as les gens qui écrivent et qui te parlent en direct. Hésite pas, s'il y a un message sur lequel tu veux réagir, qu'il soit positif ou négatif, tu vois. Ça arrive des fois, ouais. message négatif. Bah, même c'est le thème, hein, dans exactement. La sauce. Exactement. Non, mais en vrai, on a un chat assez bienveillant. Il y a beaucoup d'amour dans le chat, donc hésite pas. N'importe quel message tu veux, si tu veux réagir, hésite pas. Là, c'est ce que les gens voient. Si tu veux avoir un petit repère de ce que les gens voient. Je suis pas très cadré là, attends. Alors viens, rapproche-toi de moi. Là, t'as l'écran internet où je vais diffuser des contenus, etc. Et voilà. Et ça, c'est un peu la tour de contrôle, un peu la technique qu'on gère. Ok, ça marche, pas de soucis, je suis là. Chris, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter à nous? Quel âge tu as? Où est-ce que tu joues en ce moment? Quel est ton métier même? Ok, donc je m'appelle Chris Mavinga, ouais. J'ai 31 ans, ouais. Je viens de signer au Los Angeles Galaxy, j'ai passé du temps aussi dans les terrains français, okay. Donc j'ai joué, donc je suis formé au Paris Saint-Germain, ouais. En France, après je suis allé à Liverpool, ouais. Puis je suis allé à Genk, j'ai fait le Stade Rennais, ouais. J'ai fait Rubin Kazan en Russie. Mais regarde le ballon éclaté qu'il nous envoie, frérot. Non, c'est pas un bon ballon, c'est ça. C'est pas possible, ça. Bon, c'est pas grave. Il faut respecter un peu les joueurs qu'on reçoit. C'est bon, t'inquiète pas. Même avec j'en ça, fais tu... 100. Même avec ça, tu nous mets dans la sauce, ça. Ouais, donc j'étais Rubin Kazan et j'ai fait 6 saisons au Toronto FC en MLS. Et voilà. On va revenir un peu sur tous ces passages, t'en fais pas. Principe aussi de l'émission, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est pas grave. Je t'en parlais tout à l'heure, toutes les 10 minutes, il y a la question qui pique. Okay. Celle qui te fait peur. Ouais, celle qui fait peur. Le principe, c'est que les gens votent pour la question à laquelle ils veulent que tu répondes. Mais avant ça, je te pose une question sur ta carrière. Si tu réponds bien, tu as le droit de choisir la question à laquelle tu réponds. D'accord. Si tu réponds mal, c'est les gens qui choisissent. Ok. Ça marche? Ça marche. Du coup, tu évoquais le fait que tu as été formé à Paris. Avant ça, même dans la plus jeune enfance, dans un plus jeune âge, tu as commencé où? J'ai commencé à Combs-la-Ville, en 77. Okay. Et j'ai fait Combs-la-Ville, moi c'est Cramael, ouais. Puis Viry-Châtillon. Okay. Avant d'être repéré par le PSG? Exactement. Comment ça se passe, comment tu te fais repérer? Bah écoutez, c'est... Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, c'est facile. Hein. Donc on avait un match, si je rentre dans les détails, ça va s'appeler très très loin. Vas-y, enfin, okay, à moins que t'aies pas le temps, on est là pour ça, qu'on on est là doit pour aller ça. Vite, t'inquiète, ouais, on a le temps. Non, on est là pour ça. Donc du coup... Je me rappelle, moi, c'était un samedi matin à 11h. Ok, putain, tu t'en souviens, ouais, vraiment. En même temps, ça marque une vie. Hein. Voilà, non, c'était un samedi matin à 11h, c'était contre le PSG. Ok. Donc du coup, je me rappelle que moi, dans mon collège à l'époque, j'avais école. Ok. Donc les notes, c'était pas trop ça. Mes parents, voilà, ils voulaient que je favorise l'école, ouais, comme tous les parents. Ouais. Et je me rappelle que moi, ce match, je voulais absolument le jouer. Tu m'étonnes. Donc du coup, je vais voir mon père. Mon père, il me dit non. Tu ne joues pas, genre? Il me dit non, je m'en fous. Demain, tu as école, tu dois aller à l'école. Toi, à ce moment-là, tu voulais déjà être pro? Non, bah... En fait, comme c'est un rêve un peu? Ouais, c'est un rêve. En fait, on voulait, avant d'être pro, on veut quand même intégrer à un centre de formation. Donc du coup, ouais, c'était un rêve d'intégrer un centre de formation. Et tes darons, ils t'en ont déjà parlé à ce moment-là avec eux? Ou ils t'en ont déjà parlé en mode c'est mort, jamais tu feras footballeur Bah, en fait, dans ma fratrie, en fait, j'ai un petit frère. Okay. J'ai un petit frère qui, on va dire, footballistiquement, à cette époque-là, il était beaucoup plus fort que moi. Okay. Il y avait plus la lumière sur lui, okay, que sur moi, qui est le grand frère. Plus jeune de combien? Il est de 2 ans, okay. C'est un 93. Donc, du coup, lui, il est rentré en centre de formation. Okay.
Bref, on en reparlera. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Donc du coup, je m'appelle mon père, je vais le voir, je vais dire, bah écoute, j'ai mal contre le PSG, j'ai envie de jouer ce match. Il me dit, non, c'est pas possible. Donc je vais voir ma mère. Je vais voir ma mère, je lui dis, ouais, s'il te plaît, faut que tu négocies, faut que je le joue ce match. Et bon, elle négocie jusqu'à, je me rappelle, à minuit. Oh putain. Le vendredi soir minuit. Le vendredi soir minuit, le match il est à 11h. Ok. Donc j'ai pas beaucoup dormi entre la veille et le match. Et en plus, je vais à Viry-Châtillon, donc voilà, Viry-Châtillon et Saint-Germain-en-Laye, c'est une petite trottoir là. Ouais. Donc du coup, elle a réussi, je sais pas comment, on a dû faire un mot d'absence pour l'école, comme quoi je pouvais pas aller à l'école. Ouais. Et mon père a été fâché parce qu'elle avait tout fait pour que j'aille. Du coup, bah, j'ai eu le match, ouais. On perd 5-0 contre le PSG. On perd 5-0. T'as le seum? Bah j'ai le seum, ouais. mais je sens que j'ai fait un bon match. Okay. Donc 5-0, je rentre à la maison, je dis à ma mère, ouais, on perd 5-0, mais je te jure, j'ai très bien joué. Elle me dit... En mode, maman, je te jure, tu t'es pas battu pour moi, pour rien, quoi. Ouais. Non, sérieux, donc elle me dit, vas-y, hey, c'est bon, me fatigue pas la tête. Je dis, jamais. Elle me dit, me fatigue pas la tête, c'est la dernière fois que je fais ça. Moi, du coup, je suis pas, j'ai un pressentiment que ça s'est super bien passé. Ouais. Donc du coup, bon voilà, le lundi, j'ai un entraînement à Viry-Châtillon, et j'arrive, à l'entraînement, il y a le... Je sais pas si on appelle ça dire encore directeur sportif, mais en tout cas le président, ouais. Il vient me voir avec la lettre du PSG. Okay. Donc là, moi je cours chez moi, ouais. Je ramène la lettre du PSG. C'est quelque chose, la petite enveloppe avec mais le là, logo. Là, avec le logo, je lui dis oh là là, t'as la lettre du PSG. Donc là, du coup, je la montre à mon père. T'as attendu avant de l'ouvrir? Bah, moi je le savais, mais pour okay. Mes parents, je leur montre direct. Je dis regardez, le PSG. Ouais. Et c'était le mercredi, ma première convocation. Et là, mon père, il était plus fâché. Hein. Il a pris la voiture, il m'a accompagné jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Okay. Ouais. Et donc, c'était un peu la petite anecdote d'avant-match. Et, génial. Et après, j'ai fait plusieurs essais et voilà, j'ai été prêt après. Du coup, tu rentres au PSG. Ouais. À ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, j'ai 15 ans. 15 ans? Ouais. Ok, ça marche. Ça se passe comment Bon, au final, t'es encore en région parisienne, donc t'es pas non plus trop loin de tes proches. Mmh. Ça, c'est pas trop dur pour toi? Si, très dur. Parce moi, que tu dors là-bas? Ouais, je dors là-bas. Ou tu fais l'aller-retour non, chaque non, jour? Non, je dors là-bas, donc moi je suis interne. Ok. J'arrive donc ouais, à 15 ans. Ouais. Et là, c'est le choc. Ouais. Le choc. Bah, quand tu fais partie des meilleurs joueurs de ton équipe dans un club amateur et que t'arrives dans un club où là maintenant tous les mecs sont forts autour de toi, c'est ça. C'est le choc. Et en plus, voilà, d'être interne, d'être loin de sa famille, ouais. Loin de ses potes. Moi, mes six premiers mois, j'ai fait que de pleurer. Ok. Parce que c'est, on avait Jimmy Cabot de Lens avec nous début de semaine, il me semble, et je lui posais la question, tu vois, parce que tu joues avec tes potes, t'en parlais, mmh. Tu vois, dans ton club amateur, t'arrives au PSG, tu te retrouves confronté à cet esprit de compétition que t'avais peut-être pas avant. C'est ça, c'est que là on arrive dans le monde pro et là on voit que on veut tous maintenant devenir bah ouais. Professionnels. Et on sait qu'il y en a peu qui vont passer. Ouais. Donc, direct, ils vous disent il y en a peu qui vont réussir. Bah moi, quand j'arrive au PSG, déjà, je viens... ils me donnent un an de convention, on okay. Appelle ça à l'époque. Donc moi, je sais que pour l'instant, j'ai qu'un an. Okay. Donc, un an pour convaincre. Voilà, convaincre. Donc okay. Si les un an, ça se passe pas bien, bah, retour à la case départ. Et t'as certains de tes collègues où ils ont plus de temps? Ouais, qu'en fait, quand t'arrives, tu peux avoir... Des contrats de jeunes, ou sinon, tu as un contrat convention. En fait, c'est un contrat non rémunéré. C'est okay. Comme si j'étais dans mon club amateur, sauf que là, je suis blanchi nourri par le club. Okay. Et je touche pas d'argent. Je okay. Suis juste là et c'est comme une licence. Quoi. Okay. Du coup, tu me dis, les six premiers mois, c'est pas facile? Bah ouais, c'est pas facile parce que tu as la pression. Ouais. La pression commence à dès l'âge de 15 ans. C'est difficile. Pas décevoir tes proches et tout. Exactement. Tu as la peur de devoir rentrer en fait. Ouais. Tu as la boule au ventre en fait. Mm-hmm. À chaque fois, j'arrivais à la boule au ventre. Et bah là, c'est plus trois entraînements par semaine. Tu passes à du lundi au vendredi. Des fois, tu as deux entraînements le mardi et le mercredi. Mm-hmm. Et tu as l'impression que tout va plus vite. Tous les mecs sont plus forts, plus costauds. Donc c'est difficile les premiers mois. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à basculer de l'autre côté? Du coup, ouais, bah, les six premiers mois, je pleurais, j'étais en chambre. Ouais. Ouais, j'étais en chambre avec Brice Dadjidji qui a joué en Ligue 1, ouais. À l'OM et tout. Très bon choix de club. Ouais, du coup,
formé avec mon PG, hein, faut le dire. Non, du coup, lui, c'était un mec qui était là depuis très longtemps dans le centre de formation. Il a fait la préformation, donc ils sont rentrés à l'âge de 12 ans, je crois. Et ouais, mais il me remotive, il essaie de me dire voilà. Il t'a aidé, ouais, il m'a beaucoup aidé. Donc, c'est si pour moi que dès que je l'ai pas, je me dis bon, il me reste 6 mois, je donne tout. Ouais. Et comme ça, j'ai pas de regrets. C'est bien. Si puis ça passe. C'est fou quand même à cette époque, déjà aussi jeune, d'avoir ce genre de réflexion, quoi. Ouais, mais en fait, quand tu rentres au centre de formation, tu vois, t'es confronté vite à la pression, au stress et toutes ces choses-là. C'est une sorte de sélection naturelle, en fait. Ouais, voilà. Donc après, ça se c'est pour ça que le football, c'est pas... Tout le monde, il y a plein de bons joueurs. Ouais. Mais après, c'est le mental qui fait la différence. Ouais. Et à ce moment-là, c'est pas que le talent. Donc, ouais. Moi, je me suis mis dans cet état d'esprit-là. Je me suis dit, bon, il me reste 6 mois, je donne tout. Ouais. Et si je rentre, au moins, j'ai tout donné. On m'a donné la chance. Et pas de regret, quoi. Voilà. Et au final, tout s'est accéléré pour moi. Ok. À partir du moment où tu as eu ce déclic, ce mental ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Du coup, les 6 derniers mois, j'imagine que ça se passe super bien. Les 6 derniers mois, le club veut me garder. Donc, du coup, il me prolonge, on va dire, de 2 ans. Ouais. Donc, 2 ans et je reste au club jusqu'à l'âge de mes 17 ans. Ok. Ouais. Quand il te prolonge, là, à ce moment-là, tu commences à faire de l'argent ? Ouais, donc là, il me prolonge, je commence à faire un peu d'argent. Ouais. Niveau montant, quand t'as 16 ans, c'est quoi c'est... À l'époque, j'étais à peut-être 400 euros. Ok, mais ça peut. Non, mais 400 euros à 15 ans, t'es un millionnaire. C'est ce que j'allais te dire. Là, dans ta tête, c'est comment ? À l'époque, moi, je vais parler à l'époque. Hein, c'était... Tu pouvais acheter ton Audine RG512, c'est ça, diesel. Tu vois que. Toi, t'es ouf. Voilà. Et tu flexes. Voilà, tu flexes là, de tu fou. Sens que tu peux aller au McDonald's, au cinéma. Carrément. C'est... Voilà, c'est ça. Carrément. C'est ça. Juste, tu prends pas juste un menu best-of. Tu prends best-of plus le sandwich à côté, le dessert et tout. C'est ça. C'est ça, on c'est capte ça. Carrément, je capte carrément. N'hésitez pas à continuer à réagir, n'hésitez pas à poser vos questions à Chris. Du coup, on en est là. Tu re-signes pour 2 ans, tu m'as dit. Ouais. Tu commences à toucher tes premiers sous, etc. C'est quoi l'étape d'après pour un joueur de cet âge, en tout cas ? Quand on se rapproche et on voit qu'on commence à vraiment mettre le pied dedans, on se dit voilà, mais non. Souvent, alors, quand tu es au centre de formation, tu vois les pros à côté, donc tu dis mais non, il faut que je fasse tout pour essayer de franchir cette étape-là. À stage au PSG, chez les pros, il y a un joueur qui t'inspire, dont tu as envie de t'inspirer, à qui tu as envie de ressembler ? Pas forcément ressembler, parce qu'à mon poste, non, j'ai pas de joueur qui voulait. c'est pas le PSG d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est... les Qataris sont pas encore arrivés. Ouais, ils sont pas encore là. Parce qu'en plus, cette époque-là, c'était le PSG dans le dur. Hein. C'était des fois, ça jouait le maintien. Bonjour Rémi. C'était compliqué. Laissez-moi vous procurer un micro. Du coup, c'est pas le PSG des grandes heures. C'est assez compliqué à ce moment-là. Hein. C'est assez compliqué. Tu t'entraînes des fois avec les pros à ce moment-là ? Ouais, non, du coup, moi, voilà, je suis ma première année, ça se passe plutôt bien. Je commence à même me retrouver, je pense, aux yeux de l'Europe parce qu'on fait un tournoi international à Cannes. Ok. Je termine meilleur défenseur de ce tournoi. Donc, il y avait le Real Madrid, la Juve, l'Inter. Fort. Donc, là, à ce moment-là, je pense aussi que ça me donne le déclic de me dire ah, finalement, moi, je suis pas trop loin. Je vois, il y a Arsenal qui commence à me contacter, tout ça. Donc je me dis, peut-être que je peux faire quelque chose. Finalement, je vais peut-être pas être obligé de rester dans ce club. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Non, à ce moment-là, je voulais signer professionnel, moi. Là, donc, ouais, du coup, c'était... Je te traque. Je te traque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'OM. Grover qui dit quoi ? Tu t'es pas inspiré de Pancrate ? Pancrate, il était gentil. Hein. Ouais. Franchement, c'est des mecs qui m'ont bien accueilli. Les pros, ils t'accueillent bien à ce moment-là ? À l'âge de 17 ans, je commence à commencer à m'entraîner avec l'équipe professionnelle. Je commence à monter dans le groupe pro. Mmh. Je joue avec la réserve CFA, donc je suis surclassé. Et il y avait Claude Makélélé. En fait, les deux qui m'ont bien accueilli, mis à part ceux qui étaient déjà au centre de formation avec nous, donc, qui étaient déjà avec les pros, dont Mamadou Sakho, Innocent Carré, etc. C'était Claude Makélélé et David Juli. Ok. Super accueil. Et c'était les... C'était avec les jeunes ? Ouais, c'était les deux seuls avec la plus grosse expérience dans le groupe. Et c'était les deux qui nous ont super bien accueillis. Ceux où tu pourrais croire et ils allaient vous prendre de haut exactement, ou quoi ? Exactement, c'est ça qui est...
qui était choquant à l'époque, parce que je me disais, il n'a pas mon temps. Ouais, ouais. Il venait de, je sais plus, Chelsea ou je ne sais plus d'où. Et comment on accueille bien un jeune joueur? Quand tu arrives, quand tu fais des erreurs, il vient, il te parle, il donne des conseils. Juste ces petits mots-là. Okay. Tu dis, il a le temps de me dire les choses pour que je m'améliore. Et donc, c'est comme ça, en fait, accueillir les petits jeunes. Ouais carrément. C'est bon, c'est cool. Derrière, est-ce que c'est suite au tournoi de Cannes que tu es repéré par des gros clubs européens? Non, en fait, pas forcément. C'est pas comme ça, mais c'est là que je vois qu'il y a des clubs qui commencent à s'intéresser. Mais, okay. Mais c'est pas du tout comme ça. Je me fais par Liverpool à l'époque, mais c'est pas comme ça. Ok. Bon, on va y venir. En fait, je regardais. En fait, je me mettais à la place de quelqu'un qui va regarder, par exemple. Tu regardes un peu Transfermarkt, tous ces sites? Un peu, ouais. Ouais, bon, c'est des sites assez pratiques quand tu veux connaître la carrière d'un joueur un petit peu en détail, etc. Ouais. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas d'aller checker. Clément Renou. Ouais, j'allais dire. Ouais, lui, c'est. On a joué ensemble. Clément Renou dans le chat nous dit: Chris, content de t'écouter, l'ami. Souvenir de. CACV comme la ville, c'est ça. Ok, comme la ville, ok. Scénar Moissy. Dis-leur que t'étais attaquant Minot avant de passer à. Ça, c'est vrai, ça. Les gens, ils savent pas ça. Vas-y. Je dis jamais ça. Non, c'est vrai que moi, quand j'étais petit, je jouais que. Milieu gauche ou attaquant. Je marquais beaucoup de buts. Hein. Ouais. J'étais très fort offensivement. Et au moment de signer à moi aussi Kramael, ouais. Je me rappelle, l'entraîneur me dit: je te mets en numéro 5 libéraux. À l'époque, c'était avec le libéraux. Et je boudais. Je lui dis: mais non, coach, c'est pas possible. Moi, je suis un attaquant. Il me dit: non, moi, je te vois faire carrière en défense centrale. Au final, j'ai fait une saison en défense centrale. Et... T'as kiffé direct? Moi, je suis pas fort, j'ai pas kiffé. Hein. Okay. Ouais, non, j'avais pas kiffé. Mais au final, c'est le poste qui. Où t'as fait carrière. Où j'ai fait carrière, ouais, c'est ouais. Ça. Et comment ça se passe? Enfin, dans ta tête, c'est, tu vois que t'as un potentiel là-dedans, du coup, c'est ça qui te pousse à quand même vouloir un peu creuser là-dedans, dans ce poste? Franchement, je ne voyais pas le potentiel. Okay. Non, quand on est jeune, j'avais quoi, 11-12 ans. Ouais. On veut tous être attaquant. Ouais, c'est clair, c'est donc, vrai. Du coup, on veut marquer des buts. Quoi. Bon, du coup, moi, j'ai joué un an, je m'appelle à Moissy en tant que défenseur central. Oh, non, moi, je n'ai pas kiffé à ce moment-là. Ouais, tu m'étonnes. Je voulais être attaquant, marquer des buts. Il me disait: mais tu peux... tu sais, t'as la capacité à dribbler de derrière. Je dis: ouais, j'ai fait des actions, je partais de derrière. Ouais. Mais non, je n'avais pas kiffé. Ce jour, je n'avais pas kiffé. J'ai deux questions, si je peux me permettre. Tes parents, ils en pensent quoi à l'époque, quand tu commences à être contacté par les clubs, tout ça? Comment j'ai déjà posé la question, frérot. Ouais, il vient en retard et en plus, il repose les mêmes questions. Ok, très bien. Alors, comment t'expliques le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent attaquant et qui reculent? Parce que par exemple, tu vois, Zizou, quand il arrive à Cannes, enfin avant Cannes, il commence à le faire jouer en défense centrale. Il met des petits points à tout le monde, comme toi tu disais, tu partais de devant. Voilà, comment t'expliques que t'as beaucoup de joueurs qui commencent devant, qui sont bons en plus, parce que c'est comme ça qu'ils sont repérés, et puis quand ils passent, on va dire, le step, ils reculent? Franchement, moi, ça, je sais même pas, hein. Je sais pas quoi te répondre parce que. Moi, à cette époque-là, quand j'étais attaquant et qu'on met défenseur, moi, j'ai boudé toute la saison. Ah ouais. J'étais tellement énervé, je ne voulais pas jouer ce poste-là. Mais finalement, j'ai joué parce que le coach, il voulait me faire jouer à ce poste-là. Après... Et comment tu as switché après? Comment tu t'es dit: ah, finalement, c'est pas mal? Après, le club d'après, tu es défenseur. Là, je n'étais plus défenseur central, mais de latéral gauche. Donc, latéral gauche, tu as quand même un peu de liberté offensive. Et après, quand tu commences à prendre, c'est plus le plaisir d'être sur le terrain. Après, il y a des moments où tu te dis: au moins, je suis sur le terrain, je joue. Et tu passes autre que c'est pas ton poste. Mais ouais, franchement, moi, l'entraîneur, quand il me dit: t'es attaquant, tu passes derrière, parce que j'étais attaquant, j'ai marqué des buts, ouais. Il me dit: tu passes défenseur, moi, je comprends pas. Mmh. Et aujourd'hui, je fais 40 défenseurs, mais voilà, aujourd'hui, il a peut-être eu raison à ce moment-là. Mmh. Alors que peut-être que si j'avais. Je t'ai entêté à jouer devant, peut-être que j'aurais pas fait carrière. Mm-mm. Et tu connais des mecs qui ont fait l'inverse? Par exemple, qui ont démarré derrière et qui sont devenus pro en étant plus offensif? Isaac Touré. Non, j'allais dire Gareth Bale. Ouais. Mais lui, il a commencé à latéral gauche, il a fini devant. Ouais, après, si tu as des qualités offensives au-dessus de la moyenne, comme Gareth Bale, il a bien fini toute sa carrière devant. Carrément. Ce pourquoi je voulais parler de Transfermarkt, c'est que, en fait, je trouve qu'en fait, chez quelqu'un qui pourrait regarder ta carrière, de loin, tu vois ce que je veux dire, ouais. On pourrait avoir le cliché de, et en fait c'est ça que je veux qu'on fasse aussi ce soir, le cliché de jeune très prometteur, qui évolue dans des très beaux clubs, PSG, Liverpool, etc. Un transfert
qui se passe peut-être un peu plus mal. Derrière, quelques années de galère. Et un peu ce feeling de talent gâché. Mais, justement, c'est que c'est pas aussi simple la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'aimerais justement que on rentre un peu à l'intérieur de ton parcours pour se rendre compte que c'est cliché des fois qu'on a sur ces parcours. On dit, ah, vraiment, il aurait pu faire mieux. Et en fait, c'est pas si gâché que ça, tu vois ce que je veux dire ? Et que ça reste des très belles carrières. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Du coup, t'es au PSG, t'es transféré à Liverpool. T'as quel âge à ce moment-là ? 20 ans ? 18 ans. Encore plus jeune ? Ouais. T'es comment dans ta tête, là ? C'est le feu ? Bah, c'est le feu, là. C'est le premier contrat pro. Ouais. Donc, déjà. Ah ouais, t'étais même pas pro avant ? Non. Okay, j'étais encore au centre de formation. Okay. Et c'est mon premier contrat pro à Liverpool. Ouais. Du coup, ouais, c'est le feu parce que moi. Quand on me dit qu'à Liverpool, j'y croyais pas. Ouais. Mais il y a un agent un jour, bah, mon agent encore actuel, Bruno Satin. Qui me donne rendez-vous dans ses bureaux et qui appelle Raphaël Benitez devant moi. Et juste, moi j'ai 18 ans, je vois Raphaël Benitez jouer la Ligue des Champions avec Steven Gerrard et Fernando Torres et il appelle et il parle de moi comme s'il me connaissait. Ouais. Et c'est choc. Ouais. Je me dis, ah ouais, c'est trop beau ça. Ouais. Je dis, ouais, là je rentre dans une autre sphère là. Sachant, je crois que Raphaël Benitez, il parle français, non, en plus. Sa femme est française, non ? Ouais, il parle français. Donc, du coup, tu captes tout ce qu'il se dit. Il parle en français ? Il parle en français, ouais. D'accord. Donc, ouais, à l'époque, il m'avait comparé à Eric Abidal, qu'il a eu à Valence, si je me... Non. Je sais plus, il l'a eu. Bref. Et du coup, il parle de mes qualités, mes défauts, tout. Mais moi, je les connais. Je dis, comment lui les connaît ? C'est pas possible. Donc, du coup, ouais, non, le feeling, il passe super bien. Et je me dis, voilà... Je rentre dans un top club. Il y a un truc à faire. Ouais. Du coup, ça devient aussi ton agent ? Qui ? L'agent que tu rencontres. Ouais, c'est toujours. Ouais. C'est quoi son prénom ? Bruno Satin. Bruno Satin. Ouais. T'arrives à Liverpool. Je te disais dans ta tête, c'est le feu. Est-ce qu'il y a un excès de confiance sur le futur de ta carrière ? Dans le sens, tu te dis, ok, j'ai fait le plus dur. Non, bah, pas du tout. Parce que là, en fait, on se rend compte que le milieu du foot, il n'est pas si facile que ça. Okay. Et en fait, il y a des choses, il y a des... Des fois, on contrôle pas tout. Ouais. Donc moi, exemple. Exemple, bah, l'entraîneur qui s'est viré. Ouais. L'entraîneur qui veut Raphaël Benitez, un an après, j'arrive, il s'est viré. Ouais. Donc du coup, l'entraîneur qui arrive après, il te connaît pas et lui veut, il te dit non. Ouais. Donc ça, c'est. C'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Moi, quand je suis arrivé à Liverpool, c'était comme convenu. J'avais fait 6 mois avec la réserve pour m'adapter. C'est ce qui t'avait dit, Benitez. C'était ce qu'il m'avait dit, c'était qu'il respectait. Et les 6 mois d'après, j'ai commencé à m'entraîner avec le groupe pro. Et je pense que j'étais même très proche de jouer. Ok. Ouais, un jour, j'avais le chasuble titulaire. Okay. Je me rappelle, c'était contre Tottenham. Chasuble titulaire à l'entraînement ? À l'entraînement. Ok. Mais non, je crois que j'étais pas prêt. J'avais la pression ce jour-là. Quand tu me le chasuble à l'entraînement, je suis arrière gauche. À côté de moi, il y a Carragher, Skrtel, je vois Pepe Reina dans les buts, Steven Gerrard numéro 10, Fernando Torres. Ah non, moi j'ai commencé à flipper, mes jambes tremblaient. bien de le dire, en vrai ça fait plaisir que tu le dises, tu vois. En plus, ton concurrent à l'époque, c'est qui, c'est Rizeux ? Il y avait Rizeux, il y avait Fabio Aurelio. Ouais. Ouais. Donc je crois qu'il y avait peut-être des blessures ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus trop pourquoi j'avais choisi le titulaire à ce moment-là, mais c'est vrai que. J'ai la vérité, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais le chasuble, il pesait 200 kilos sur moi. Et le coach, il a dû voir, il a dit, non, finalement, je ne vais pas prendre le... Ah, ça a été préjudiciable définitivement pour toi, ça ? Tu le sens ? Non, parce que quand on en parle et tout, il dit, oh, bah, cette fois-ci, je ne vais pas te mettre, je vais mettre un autre mec. Il n'y a pas de souci. Donc, okay. Dans ma tête, je savais, je n'étais pas prêt. Okay. Et plus Tottenham, c'était pas facile. Ouais. Aujourd'hui... Je vois que les petits aujourd'hui, ils jouent sans complexe, mais je sais pas, moi je me sentais pas prêt à ce moment-là. Mais de toute façon, je me sentais, quand je vais en CFA au PSG, je me sens pas prêt non plus. Okay. Pourtant, j'arrive à jouer, on me jette dans le bain et ça se passe bien. Est-ce qu'au final, t'as pas besoin de ce déclic, mine de rien ? Peut-être que s'il m'avait mis ce match-là, peut-être que j'aurais le déclic et je serais tout cassé. Peut-être. Ouais. Mais moi, quand je me rappelle même encore au PSG, moi, on me met sur le banc le match d'avant que je sois titulaire en CFA.
j'ai peur, moi. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible. C'est là, c'est du surplein d'hommes. Moi, je suis habitué au championnat de jeunes. Et non, c'est pas possible. J'arrive pas. Au final, bah voilà. Mais le soir, tu vois, t'as l'entraînement. Tu sens que le chasuble, il pèse 2 tonnes. Tu réagis comment après? T'es déçu? T'es énervé contre toi? T'es comment? Non. À ce moment-là, je pense que j'étais vraiment pas prêt. C'est pour être honnête. Donc, non. Je me dis, j'ai besoin encore un peu de temps. Et tu dis limite, ouf, parce que je suis pas prêt, donc tant mieux. Ouais, je me dis, je pense qu'à ce moment-là, je me dis ça. Je me dis, ouais, je suis pas prêt. Faut pas te jeter. Parce qu'il y a des mecs aussi qui ont joué. Et tu dis, faut pas que je me foire face à ces mecs-là, quoi. Voilà, il y a des mecs, il y a des jeunes joueurs qui ont joué peut-être trop vite, ils sont cramés. Après, à Liverpool ça... Non, mais en général, il y a des jeunes qui n'étaient pas prêts, on les a fait jouer. Que c'était des bons joueurs, et au final, ils n'ont pas fait carrière parce que peut-être que... Ça les a tués psychologiquement. Tu vois ce que tu veux dire. À Liverpool, le mec qui t'impressionne le plus? Steven Gerrard. Ouais. Facile. Mais, c'est un peu une question rhétorique. Mais en quoi? Dans quoi? En quoi, c'est... déjà, moi, dans l'accueil, il est venu me voir direct, capitaine exemplaire, et surtout, à l'entraînement, le mec, il... Il s'entraîne comme un match. C'est vraiment à fond. Il est à fond. Il est à 200%. Et j'ai même une anecdote. Je me rappelle une des premières fois que je m'entraînais avec lui. On fait un jeu de conservation de balle et tout. Et il a le ballon sur le côté droit. Moi, je suis arrière gauche. Il me fait transversal. Okay. Elle fait un rebond devant moi et elle sort en touche. Il m'appelle. Il me dit, la prochaine fois, tu pars, tu me regardes pas. Je dis, ouais. Moi, le football de jeunes, faut que dans les yeux on se regarde avant que le mec il se fasse la passe. Mais et là, tu vois qu'il passe. Voilà, eye contact pour se dire c'est bon, tu m'as vu, je pars. Ouais. Non. Là, il m'a dit je sais où t'es placé, donc vas-y. J'ai fait la même action. Je suis parti, j'ai couru comme si. Et le mec, en 2 touches de balle, il m'a envoyé une transversale de 60 mètres. Il me la met, elle se dépose sur mon pied. Et le petit temps où tu l'as pas regardé, ça a fait que tu avais la balle dans les pieds. J'avais la balle dans les pieds, en plus la balle elle vient, c'est pas une balle où la balle elle flotte, tu sais, c'est pas un parpaing. Voilà, c'est pas un parpaing, c'est pas tu juges la trajectoire. Non, elle s'est déposée sur mon pied. C'est ouf. Et là, je pouvais commencer à penser à attaquer. C'est ouf. Alors, attends, excuse-moi, mais quand tu dis capitaine exemplaire, il vient te voir. Il te dit quoi? Il te parle comment? Il te parle en anglais? Tu captes l'anglais à ce moment-là? Il te dit quoi? Non, il me dit seulement moi. Parce que, en fait, moi, c'est comment il m'a accueilli, c'est parce que quand j'arrive, je fais un test cardio sur le tapis de course, et en fait, il arrive, il se met juste à côté de moi. Au début, je capte pas, et je dis, mais attends, c'est Steven Gerrard à côté de moi. je suis en train de transpirer à la mort et tout. Je suis à fond sur le test tapis. Et je finis mon test, il me ramène une bouteille d'eau, il me dit tiens. Après, il me dit tiens, le gymnaster me donne la bouteille d'eau, je ne voulais pas là, je dis ah, merci, thank you. Après, il commence à me dire bah, welcome, etc. Et tout. Après, je n'ai pas tout compris parce qu'il parle scouse, mais en tout cas, je me rappelle qu'il m'avait dit bonjour, bienvenue dans le club. Même type d'accueil que tu as vécu avec Makelele et ouais, Julie à l'époque. Exactement, c'est le même type d'accueil. Et je me rappelle que. Même quand j'arrivais, j'avais un peu le visage fermé, j'avais un peu peur quand j'allais dans la cantine du club. Les mecs, ils venaient me voir, ils me parlaient, je ne comprenais rien. Ouais, j'avais pas le mot d'anglais, mais... Yes, okay, of course. Yeah. Ouais, c'était ça, mais... Là, mais on voit que ces mecs-là, ils avaient... Voilà, ils m'accueillaient facilement, ouais, tranquillement, donc c'était super. C'est ça qui est cool avec les Anglais aussi, tu vois. Ils ont moins ce truc de... si tu ne sais pas parler l'anglais, ils ont tellement l'habitude de recevoir chez eux des mecs qui ne parlent pas encore la langue. À partir du moment où ils voient que tu fais les efforts, il n'y a pas de galère, ils s'en foutent, quoi, tu vois. C'est ça. Mais est-ce qu'il y avait d'autres francophones à l'époque dans le club? Ouais, il y en avait beaucoup à l'époque. Moi, il y avait Charlie Tange. Il y avait Nabil Elzar. Il y avait Damien Plessis. Et il y avait Philippe Degen qui était suisse, okay, qui parlait français aussi. Et voilà. Après, eux, c'était normal, mais je parlais plus des autres joueurs parce que. Voilà, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais justement, à quel point ça compte. David Ngob aussi, j'ai oublié. Ouais. Ouais. Du PSG. Enfin, mais, ouais. Justement, à quel point ça compte quand tu signes à l'étranger, d'autant plus pour un premier contrat pro, t'avais, avant de signer, parce que bon, tu dis, il y a l'épisode où ton agent appelle le coach. Est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu regardes en premier? Tu regardes l'effectif? Tu regardes qui joue à ton poste? Qui fait quoi? En fait, qu'est-ce que tu regardes quand tu vas signer dans un club? Non, mais si je parle de cette époque-là, pour être honnête, moi, je voulais rester au PSG. Je voulais signer au PSG. C'est pas vraiment, c'était pas mon choix le premier de signer à Liverpool. Et après, au PSG, on s'était pas mis d'accord. Donc du coup, je signe à Liverpool parce que bah,
l'entraîneur me connaît, je sens que voilà, ils sont prêts à tout pour me faire venir. Donc on sent que voilà, c'est vraiment c'est qui me veut vraiment. On a souvent reproché ces dernières saisons au PSG de ne pas arriver à garder ces jeunes. Toi, c'est quelque chose que tu as compris là, enfin, quand on a souvent sorti ça, on a entendu ça dans les médias, etc. C'est quelque chose que tu as associé à ton expérience au PSG ? Non. C'était déjà le cas à l'époque ? Bah, si je suis parti, c'était parce que un peu ça. En fait, moi, quand je sentais que quand j'étais chez les jeunes au centre de formation, que je suis à la porte de l'effectif pro. Ouais. Et que là, quand tu discutes avec les. Bah après, ta nouvelle entraîneur, c'était Paul Le Guen à l'époque, mais après, c'est en tant que combat, et bah lui, il ne te connaît pas. Tu sens que, voilà, t'as l'impression que le club ne te connaît pas. Ouais. Et pourtant, tu as fait tout éclater les jeunes. Si tu as Liverpool qui te contacte, c'est pas non plus. Et que si tu es en équipe de France des jeunes, c'est pas non plus qu'ils devraient me connaître. Et quand tu discutes, tu as l'impression que Liverpool me connaissait mieux que Paris. Et donc tu disais, tu comprenais pas. Et en fait, quand je signe à Liverpool, par moi, je savais pas, il y a 15 jours de rétraction, tu peux finalement changer. Comme une maison, en fait. Voilà, ouais. Je savais pas. Et en fait, pendant ces 15 jours-là, Paris a commencé à marceler. En me disant, faut que tu reviennes. Mais après, moi, j'avais déjà signé mon contrat et je disais, sauf que moi, Liverpool, entre le temps que je signe et je l'ai fait attendre, ça a duré. J'ai fait attendre pendant un mois à Liverpool. Okay. Parce que moi, je voulais ma priorité, c'était le Paris Saint-Germain. Mm-mm. Et du coup, je ne sais pas aujourd'hui. Et je sais qu'ils essaient de mettre, parce que comme je suis un peu le club, ils essaient de mettre un mec qui fait cette passerelle entre les jeunes et les pros. Pour que maintenant, c'est un peu le rôle de Johan Cabaye et de ouais, de ouais, c'est ça, personnes. C'est ça. Parce que c'est vrai que. Bah, les pros, voilà, mais t'as les jeunes et t'as des bons jeunes. Et après, quand t'arrives et tu penses signer pro et que tu vois que le club te connaît pas, t'as l'impression qu'il te connaît pas, c'est quand même problématique. Et quand tu dis pendant ce délai-là de rétractation, le club, le PSG t'appelle, qu'est-ce qui t'appelle ? C'est le directeur sportif, c'est le coach, c'est tous ? C'est tout le monde, le directeur du centre de formation, le recruteur, tout ça, il m'appelle pour me dire non, c'est bon, vu que tu reviennes au club et tout. Parce que. C'est pareil, je pense qu'ils se disent qu'on est les enfants de la maison, on va pas partir comme ça. Donc au final, quand tu vois que le club n'a pas forcément d'intérêt sur toi, tu te dis, et pourtant d'ailleurs ils te montrent plus de respect, tu te dis voilà. Est-ce qu'à ce moment-là tu doutes ? Est-ce qu'à un moment tu dis peut-être revenir à Paris du coup ? Ouais, j'ai dû douter un peu quand même. J'ai dû douter parce que quand même, pareil, c'est là ce club qui m'a formé. J'ai quand même du respect pour ce club. Club de cœur. Club de cœur aussi. Ouais. Donc du coup, je doute. Mais après, en même temps, t'as l'autre côté qui t'appelle aussi pour dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer pour toi. » Après, t'as les pros, David Dengo, que moi j'ai connu au centre de formation du PSG, qui t'appellent. « T'inquiète pas, ça va bien se passer aussi. » Donc du coup, t'es rassuré aussi d'un autre côté. J'imagine. Du coup, tu nous dis que tu fais, en arrivant, on te dit pendant 6 mois tu vas t'entraîner avec la réserve. Hésite pas. Il y a un message, je veux y revenir tout à l'heure. Ouais, je te vois venir. On va y revenir. Du coup, mon petit frère Jean-Di, c'est ça. Ouais. Il dit quoi, Jean-Di ? Non, c'est mon petit frère là. Quand je disais. Tu veux répondre à la question ou... Il a pas. C'est pas trop. Il dit quoi ? Il habite au Canada maintenant, si tu veux savoir. Crazy Wisdom 77. Ok. Et l'autre question, t'inquiète pas, on va y revenir. Ouais, mais ça, je savais ça. J'ai vu ça là. Frérot, j'étais choqué. J'ai fait. Ah ouais, il y a de l'engagement, ça fait plaisir. du coup, on te dit que tu fais 6 mois avec la réserve avant d'intégrer l'équipe première. Pendant cette période-là, Benitez est viré, c'est ça. Le nouvel entraîneur te fait comprendre qu'il ne va pas forcément compter sur toi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et très vite, tu comprends que tu vas aller devoir voir ailleurs. Ouais, du coup, pas forcément, parce qu'en fait, quand je suis en fin de saison, donc j'ai les 6 mois et je m'entraîne avec l'équipe première, pas de soucis, ça se passe plutôt bien. Et en fait, je pars pour l'Euro 2010. Avec les jeunes ? Voilà, moins 19. C'est 2011 2011 à Caen, qu'on remporte. Du avec coup, Grenier, Lacazette et tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, je pars à l'Euro, et en même temps, il y a l'Euro 17 ans.
Okay. Je sais pas où. Et c'est l'Angleterre qui gagne. Donc du coup, bah, moi, je viens après tout le monde parce que moi, j'ai fait l'Euro et tout, etc. Et quand je rentre, c'est Damien Comolli qui est directeur, de, directeur fort. Sportif. Fort. Damien Comolli. À l'époque. Donc du coup, français, francophone, ouais. Je me dis, ah ben, c'est très bien et tout. Ouais. Il me dit, ouais, tu repars en réserve. Ok. Qui est maintenant président du TFC. Hein, TFC, pour voilà. Il me dit, tu repars en réserve. Je lui dis, mais... Damien, j'étais... pourquoi tu me fais comme ça? Je dis, avant que je parte en, à l'Euro, je m'entraînais déjà avec les pros. Ouais. Il me dit, ouais, mais non, tu retournes en réserve. Et les 17 ans qu'on a gagné, c'était l'Angleterre qui a gagné l'Euro U17. Je crois qu'il y avait 2-3 joueurs de cette génération. Qui étaient à Liverpool ? Ouais, et eux montraient avec les pros. Okay. Donc du coup, je me dis, ah, mais c'est bizarre, moi je m'entraînais déjà et tout. Moi. Il me dit, ouais, non, c'est comme ça. Donc du coup, bah, je m'entraîne, mais des petits bouts, c'est pas vraiment ça, je suis avec les jeunes. Un peu démotivé, un peu à ce moment-là. Ouais, un peu démotivé. Et puis le contre-coup de l'été qui s'est assez bien passé avec l'équipe de France. Ouais, ouais, donc du coup, tu fais l'euro, donc du coup, tu veux plus. Ouais, bah ouais. Et là, tu kiffes, là, c'était mes premiers matchs, 15, 20 000 personnes en France, c'était magnifique. Ouais. Donc ouais, tu te dis, ah ouais, là, j'ai jamais vu dans des ambiances comme ça tout le temps, hein, tous les week-ends. M'étonnes. Donc, quand t'as un field qui t'attend, quoi. Ouais, mais peut-être que là. C'est pas la pire ambiance, quoi. C'est pas la pire, mais en plus, tu commences à te préparer. Tu te dis, ouais, c'était. Tu sais, le football de jeunes où tu joues devant 500 ou 1000 personnes. Là, tu joues devant. T'es jeune âge devant 15, 20 000 personnes. Et puis, mine de rien, j'ai envie de te dire, à cet âge-là, t'as pas encore été encore beaucoup confronté à des gens qui te mettent des douilles, disons les termes, tu vois. Là, t'as encore référence à ce qu'on t'a dit il y a 6 mois. Ouais, c'est en ça. En mode, tu vas t'entraîner 6 mois et après, tu vas jouer. Ouais, c'était ça. Donc t'as encore confiance en ton club. Voilà, j'ai encore confiance, mais après, je vois que le retour au club, il se passe pas comme prévu. Mm-hmm. Donc, y a la première approche de Genk qui vient au début de saison, à ce moment-là. À ce moment-là, t'entends Genk, tu fais pardon? Ouais, non, je connaissais pas. Hein. Ouais. Je connaissais pas la Belgique et tout. Ça te fait peur ? En fait, oui et non, parce qu'en fait, Liverpool, ils avaient un partenariat avec Genk. Ok. À cette époque, ils avaient un partenariat. Comme quoi, ils venaient de signer, ils voulaient envoyer des jeunes joueurs. Voilà, etc. C'est un peu comme Troyes et Manchester City. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, du coup, début de saison, ils m'appellent pour venir, mais Liverpool leur dit non. Okay. Donc du coup, moi, je me dis, s'ils disent non... C'est qu'ils comptent sur moi, quoi. Est-ce qu'à chaque fois que tu as... par exemple, tu dis, Damien Comolli te dit, tu retournes en réserve. Tu as des appels de clubs comme Genk. Est-ce qu'à chaque fois, on te donne un argumentaire, on t'explique les choses, ou on essaie de vite expédier la chose? Par exemple, tu disais pour Damien te dit, oui, tu as fait des entraînements avec les pros, mais tu retournes en réserve. Il te dit, parce que tu n'es pas assez bon, parce que tu es encore trop tendre, non. Ou on te dit rien? Non, moi, il m'a dit que l'entraîneur, je crois que c'est Roy Hodgson, qui arrive, dit que... Les gens du club. Ouais, qui dit que là, on va favoriser les Anglais. Donc, parce qu'il faut dire que quand tu as réserve à Liverpool, ou même, je pense, dans les grands clubs, il y a beaucoup de joueurs d'étrangers. Il n'y a pas forcément que des Anglais. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, il y a des Hongrois. En fait, tu arrives, en fait, ils pêchent les joueurs de partout. Ouais. Donc, du coup, il me dit, ouais, bah, là, ils veulent favoriser les joueurs anglais. Donc, du coup, c'est la seule explication que j'ai à ce moment-là. Et quand tu vois les joueurs anglais qui montent de la réserve avec les pros, est-ce que tu trouves que tu as quelque chose à leur envier à ce moment-là? Non, pour moi, j'étais plus fort qu'eux. J'étais plus fort qu'eux. Mais c'est terrible comme raison en plus. donc, moi, j'étais plus fort qu'eux et je me disais, mais c'est pas possible. Après, tu sens l'injustice, quoi. Tu dis, c'est la nationalité qui fait que. Et du coup, quand c'est comme ça, j'imagine que tu les recroises de temps en temps en centre d'entraînement ou même sur le terrain. Est-ce que tu sens que du coup, il n'y a pas une animosité, mais tu sens qu'il y a des choses qui changent? Ouais, franchement, non, pas vraiment. Parce que, bon, après, les mecs, ils venaient quand même jouer avec donc, la réserve et ce n'était pas forcément avec l'équipe première pour les matchs. Donc, du coup, tu veux juste montrer quand tu savais qu'il y avait un entraîneur des pros qui était là pour voir les matchs, que tu es plus fort qu'eux, quoi. Tu essaies de tout donner, parce que si tu... C'est ça, je disais, ouais, par rapport au mental, pour aller au-dessus, c'est que si tu commences à être frustré en toi, en fait, tu n'avances pas, et après, au final, toute ta vie, tu es frustré. Mm-hmm. Et en fait, c'est un milieu qui est tellement des fois frustrant qu'il faut savoir passer au-dessus de ça.
T'as des moments qui te reviennent de frustration comme ça dans ta carrière? Bah oui, j'en ai quand même. J'en ai. Quand j'arrive à Genk. Ouais. Ouais. Ouais, bah ouais. Parce que j'imagine, t'es au PSG, centre de formation PSG, t'arrives à Liverpool. Et c'est humain, c'est pas un reproche. Hein. Forcément, dans ta tête, tu te dis, et tu peux te faire à un moment donné un plan de carrière, tu vois. Ouais. T'as des très bonnes bases, on va dire, des très bons temps de passage. Mmh. Tu le prends pas comme un frein en mode merde. Premier truc qui va pas bien, en gros, quoi. Ouais, non, oui, non, parce que, en fait, je me disais, soit je reste à Liverpool en réserve et je termine un joueur. Je joue pas. Voilà, je suis un joueur de réserve. Ouais. Ou soit je vais dans un championnat, ouais, mineur par rapport à ce que j'ai connu, ouais. Mais je suis en joue avec les professionnels. Ouais. Donc, du coup, quand ils font ma première approche, quelqu'un me dit non, c'est vrai que je dis pas, ok, mais ouais. Pas de souci. Mais quand en décembre, ils reviennent à la charge, ils me disent, Chris, on te veut. Là, encore une fois, tu te dis, là, ils me veulent vraiment. Quoi. Là, ils me veulent vraiment. Je me dis, ouais, vas-y, je préfère aller faire 6 mois en Belgique, jouer dans un championnat, dans une première division, que jouer 6 mois contre. Parce que c'est championnat des réserves, c'est différent d'ici, c'est championnat des réserves pro. Et ouais, c'est sympa parce que des fois, tu joues avec des mecs de retour de blessure. Mm. Donc, moi, ça m'est arrivé de jouer avec Daniel Hager, sans sélection. Voilà, donc, ouais, c'est plaisant. Mais moi, je voulais plus que ça. Okay. À ce moment-là, je voulais plus que ça. À ce moment-là, ton agent, il te dit quoi? Moi, mon agent, à ce moment-là, je ne m'en rappelle plus trop. Mais, ah ouais. Mais moi, je dis, ouais, moi, j'y vais. Okay. C'était la seule opportunité, je crois, à l'époque. Donc, je dis, ouais, j'y vais. C'est un agent qui a plein de joueurs à l'époque? Ouais, qui a beaucoup de joueurs à l'époque. Ouais. Ça, c'était pas dur à gérer dans la tête d'un jeune joueur? Tu te sens un peu seul Je pense que les premières années en professionnel, les contrats premiers, contrats pro, c'est les plus durs. Ouais. C'est pour les plus un joueur dur. Ouais, c'est les plus durs parce qu'en fait, t'es personne. Mm. Tu dois t'affirmer dans un milieu d'adultes. T'as des mecs qui ont tant de sélections. Là, c'est. Voilà. Mm. Et t'as tant de matchs. Donc, c'est compliqué à sortir le bout de ton nez. Donc, du coup, il faut se battre. Mm. Par tous les moyens, je vais raconter des histoires, t'inquiète pas, ça va venir. J'ai plein d'histoires. Mais parce que là, à cette époque-là, t'as quel âge du coup? 19 ans. Ouais, je suis né à l'Euro moins 19, ouais, 19, 20 ans. 19 ans. D'accord. Et juste pour revenir par rapport à. Tu vas changer de club, donc tu vas aller en Belgique. Mais quand t'arrives en Angleterre, t'as quoi? T'as une maison, tu dors au club, comment ça se passe? Ouais, du coup, bah ouais, moi, c'est mon premier appartement, ma première vie un peu seule, quoi. J'étais un peu. C'est le monde. Donc ta mif, elle vient pas? Bah, elle vient de temps en temps. Oui, mais je veux dire, tu bouges tout seul, quoi. Ouais, je suis chez moi, je suis tout seul, je suis dans mon propre appartement, je me fais à manger tout seul, donc c'est la vie d'adulte, quoi. Donc, du coup, ouais, mais pas si difficile que ça, ouais. Parce que, en fait, je suis beaucoup resté avec les Français là-bas. Donc, du coup, seulement, oui, j'avais un appart, mais je dormais chez, par exemple, Damien Plessis, qui avait sa femme, donc, du coup, je mangeais chez eux. Voilà, j'étais comme un enfant de plus peut-être pour sa femme. Mais moi, à ce moment-là, je ne calculais pas, j'étais bien accueilli. Donc, du coup, après, on partait à l'entraînement ensemble. Donc, du coup, ouais, tranquille. Fort. Ouais. Rapidement, il y a Yassimovic dans le chat qui pose une question à propos de ce move entre la PL et entre Liverpool et Genk. Ouais. Sans manque de respect, on ne t'en fait pas, Yassimovic, pose ce que tu as. Le niveau entre les centres de formation de Première Ligue et la D1 belge. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Qui est le meilleur? Entre les centres de formation. Centre de formation PL et le niveau de la D1 chez les pros belges. Non, la D1, c'est plus fort que le centre de formation. C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais que j'avais pas envie de rester avec la réserve de Liverpool, même si tu joues des bons joueurs de bonnes équipes. Mais quand tu as des mecs de retour de blessés, ils jouent, ils sont pas forcément à 100%, ils sont pas à fond. Quand même. Donc, du coup, je préférais clairement être en première division belge que de jouer chez les jeunes en soi. Propre. N'hésitez pas encore, vraiment, on a la chance d'avoir Chris avec nous aujourd'hui et le but c'est aussi de ces buts dans la sauce. Ça s'appelle dans la sauce, etc. T'inquiète, la question qui pique arrive, la première. Mais le but c'est aussi de pouvoir voir de l'intérieur, tu vois ce que c'est, et de tuer tous les clichés qu'on a sur la carrière de footballeur pro, tu vois, avec énormément de clichés. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a la chance d'avoir Chris qui a l'air de vraiment s'ouvrir. Vraiment encore, déjà merci pour ça, gros. Vous pouvez
pouvez demander à Chris sa relation avec les agents à travers sa carrière et ce qu'il en pense avec du recul, nous demande Bad Cowboy. Bah du coup, les agents, les poisons. Ah, vraiment ? Ouais. Mais alors attends, tu dis ça, mais tu nous as dit que t'as gardé le même agent toute ta c'est carrière. C'est pour ça. Ah. J'ai gardé le même agent. Ok. C'est des poisons. Ok. Et le tien, c'est un poison ? Bah, il a eu des phases... Il est venu comme un poison, en fait. Mais il est pas un poison parce qu'il a vraiment réalisé la chose. Parce que quand... bah voilà, on va revenir un peu en arrière. C'est quand... quand il y a Liverpool, non, même pas. Ça, ouais, quand il y a Liverpool, ouais. Mmh. Du coup, je crois que l'info elle sort dans les journaux. Ouais. Comme quoi Liverpool était intéressé. Mmh. Et là. C'est la première fois qu'on parle de Watton, non ? Ouais, c'est la première fois. Et là. Ton téléphone, il a fumé. Bah alors, j'ai les collègues de mon père. Ah ouais ? De son entreprise, tous des agents. Ils veulent tous me faire signer Liverpool. Ton père, il bossait dans quoi ? On en rigole, mais c'était... Mon père, il travaillait dans l'usine de Carrefour. D'accord. Cariste. Donc, il y a des agents à Carrefour. Donc. Ouais, donc ils appellent mon père. Moi, mon père, il donne mon numéro. Il m'appelle. Ah ouais, en plus ? Ouais, moi, je suis agent. Je vais te faire signer à Liverpool. Ah, c'est donc, terrible. Quand je dis des poisons, c'est qu'après, en fait, t'as tout le monde qui se dit agent. Et le voisin, n'importe qui. En fait, tout le monde, le boulanger, il veut te... Et du coup... Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai dit le premier qui me ramène vraiment à Liverpool, parce qu'en fait, quand l'info sort dans le journal... Ah, toi, t'as pas eu le call avec Benitez encore ? J'ai rien. Ah bon ? Moi, j'ai l'info que... J'avais entendu... Moi, je me rappelle, parce que l'entraîneur, c'était Jean-Luc Vasseur à l'époque, il m'a dit, il y a un club en rouge qui te suit et qui sont prêts à te prendre. Okay. Mais il me dit pas le nom du club, il dit, moi, je peux pas te le dire. Ok. Sauf que le club en rouge en Angleterre, il y en a combien ? Bah, t'as Manchester United, Liverpool, Arsenal. Ouais. Arsenal. Ouais. Donc, tu vois, déjà, tu sais que c'est un gros club, mais tu sais pas lequel. Donc, moi, à ce moment-là, je sais rien. Et là t'as été sur le site de la Premier League, t'as regardé tous les clubs en rouge. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais tu vois, tu penses à ces gros clubs-là, mais tu sais pas en fait en réalité. Non, il me dit c'est un gros club qui joue en rouge. Du coup, pour que les gens comprennent. Et que cette légende est vraie, des fois t'as des rumeurs qui sortent sur toi sans que tu sois au courant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dingue. Des fois t'as des rumeurs sur internet. Bah, du coup, moi je savais plus ou moins parce que l'entraîneur il m'avait dit qu'il y avait un club en rouge. Mm. Et quand l'info sort vraiment sur internet, bah c'est là que je vois que c'est Liverpool. Ok. Ouais, c'est Liverpool. Donc du coup. Attends, et du coup ça veut dire que t'as pas ton agent à ce moment-là ? Non. Et du coup, c'est ton futur argent qui peut-être voit cette info dans les médias et qui se dit attends, je vais me greffer au truc. Ouais, peut-être. Il fait le lien en mode attends, moi je connais Benitez. Ouais. Je vais tenter le truc quoi. Voilà. Et après, la fois, elle sort sur internet. Et là, j'ai le recruteur qui m'appelle de Liverpool France. C'était Laurent Viau. Ok. Je crois maintenant, il est dans des centres de formation, je sais plus où. À Rennes. Laurent Viau qui me contacte, qui me dit voilà, moi ça fait 2 ans que je te suis. J'ai commencé à 2 ans. Il me dit ça fait 2 ans que je te suis, je vais voir tes matchs pourris à je sais pas où. Retourne-toi, je suis derrière toi. ouais, ça fait 2 ans. Et là, après 2 ans, et en fait, il me dit voilà, c'est bon, on te veut. Du coup, tous les agents me contactaient, voilà. Et en fait, ce qu'il a fait de différent des autres, c'est qu'il m'a dit ok, ce que je disais tout à l'heure. Viens dans mes bureaux, j'appelle Rafa Benitez. Mm. Il n'appelle pas le recruteur ou le directeur sportif, je sais pas qui. Il n'appelle pas le cousin de la mère. Donc là, il appelle, je l'entends, il parle espagnol. J'entends Mavinga. Tiens, il parle au téléphone, lui, il me parle en français parce qu'il parle d'abord en espagnol. Et là, je dis, maintenant, c'est réel. Là. Ouais. En fait, il l'appelle et je crois qu'il ne répond pas. Ouais. Son téléphone est posé sur la table. Et 5 minutes après, je vois Rafa Benitez. Je dis, c'est une blague. Il est en train de me mentir, là. C'est pas possible. Mais en fait, quand il parle, tu sens que c'est pas français, qu'il parle avec l'accent espagnol. Tu sais que. Et je me dis, non, c'est réel. En plus, il parle de moi comme si c'était moi. Donc, du coup, j'ai dit, non, lui, il ment pas. Ouais. Voilà. Mais du coup, t'as quand même. Enfin, on revient au truc où tu dis que les agents, c'est des poisons. Si tu devais résumer en une ou deux phrases ou un exemple qui traduit le fait que c'est des poisons, une mauvaise expérience, un agent qui veut t'accaparer ta carrière alors que t'as déjà un agent, j'en sais rien. Ouais, mais ça, c'est tout le temps. Hein. C'est tout le temps. Franchement, les exemples, même quand je signe à Rennes,
je finis Genk, Stade Rennais, pareil. En fait, c'est Pierre Drossi, à l'époque, le directeur sportif, qui m'appelle, qui me dit, écoute, Chris, on te veut, mais il y a 150 000 agents qui t'appellent sur ton nom. Okay. Et là, tu dis, en fait, et je pense que, heureusement pour moi, mais pour certains joueurs, ça a dû péter des deals. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression que en fait, t'appartiens à tout le monde et t'appartiens à personne. En ouais, temps. On se dit, le mec est pas sérieux. Le mec pas sérieux. Du coup, il m'a dit, écoute, je t'appelle, tu donnes un nom. Et je parle qu'avec lui. Okay. Donc du coup, je dis, bah, moi, c'est Bruno Satin. Okay. Tu parles qu'avec lui. Okay. Il m'a dit, ok, je te rappelle. Et voilà. Et après, ils ont fait discussion entre eux. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, en fait. C'est que, quand je dis pas, c'est que les virus, même, ils veulent tous s'insérer. Dès qu'ils voient ton nom affiché dans le journal, ils veulent tous... Ils veulent tous être ton agent, je sais pas, prendre leur commission, ils pensent qu'à ça, en fait. Ouais. Donc, Et tu t'expliquais tout à l'heure l'expérience avec même les collègues de ton daron, etc., qui deviennent... Ça, t'as 18 ans à l'époque ? Ouais. Ça doit faire... Enfin, tu vois, tu réagis comment ? T'as quoi dans ta tête à ce moment-là ? Bah, tu te dis, mais en fait, c'est un monde de fou. C'est ça. C'est un monde de fou, en fait. Quand t'es jeune... Bah, t'es un peu naïf. Tu veux devenir pro ? Ouais. Mais tu sais pas en fait tout ce qui se passe. Oui, voilà. En fait, on sait pas comment ça se passe un transfert, on sait pas comment ça se passe tout. Tu sais rien. Toi, tu te dis, tu vas sur le terrain, tu t'éclates, tu joues, tu gagnes les matchs, tu perds les matchs, mais voilà, ça reste rien. Mais en fait, tout ce qui se passe autour, tu connais pas. Donc, tu apprends tout. En fait, tu sais, ça arrive à des joueurs, tu dis, tu peux pas être méchant avec les gens, et au final, ils disent oui à tout le monde, mais ils disent oui à personne en même temps. Donc, du coup, quand il parle avec le club, bah, ça capote tout son deal parce qu'il a dit oui à tout le monde, et tout le monde se dit, bah, moi, je suis ton agent. Parce qu'en fait, le pote ou ton cousin ou je sais pas qui dit qu'il est agent, tu ne veux pas forcément le blesser. Donc, tu es jeune en plus. Tu ne veux pas faire du mal aux gens. Donc, tu dis, ouais, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais au final, le mec, pour lui, c'est bon. C'est comme si c'était signé. Donc, après, il peut arriver le jour du rendez-vous et il est là, quoi. C'est ouf. Oh, le malaise, ouais. C'est clair. Mais ça arrive à beaucoup de joueurs. Hein, j'imagine. Et ça t'est encore arrivé dernièrement, vu que tu as signé à LA, là ? Il n'y a pas des mecs qui ont essayé de se greffer encore ? Non, parce que à MLA, je pense que ça n'intéresse personne ici. non, mais bon, après... Je ne comptais pas y venir de suite. Non, la MLS, non, c'était plus en Europe. Hein. Quand j'étais en Europe, c'était trop à chaque fois, ouais. Vous avez pu voter il y a quelques minutes à la première question qui pique. Le fait est qu'on est sur une égalité, 50-50%. Donc c'est ton coup de chance, tu vas pouvoir choisir. Mais avant, je vais quand même te poser la question sur ta carrière. Quel est le joueur avec lequel tu as le plus joué en carrière ? Si je donne la mauvaise réponse, c'est mort. Non, bah, là, il y a une égalité. Donc quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir choisir la question. Donc t'inquiète. Le mec avec le plus j'ai pu jouer ? En carrière. Oh putain. Elle est pas simple. Mais t'inquiète, tu vas pouvoir choisir du coup. Il est en Europe ou... Non. Ah, il est en MLS. Ouais. J'ai envie de dire... Michael Bradley. Oui, bien wesh. 134 matchs. Ouais, c'est ça. À Toronto. Bah ouais, il sort jamais. le mec il, tous les matchs, il joue, il était là. Il joue numéro 6 devant moi. C'était sûr, c'était lui. Bah ouais, bien wesh. Bien wesh. Du coup, t'as le droit de choisir entre... le pire coach que t'as connu dans ta carrière, pas pire coach en mode de niveau, mais celui avec lequel t'as un mauvais souvenir, tu vois, ou le pire coéquipier, ou les deux. pire coéquipier, attends. Tu peux nous faire un top 5 si tu veux. Oh putain, on va les dire. Mon pire coach, vas-y, je vais dire pire coach. Hein. Ok. Pire coach a été Claude Robin. Ok, c'était où ? C'était à 3. Ok. Ouais. Ça passe pas ? Bah lui, ça passe pas dès le premier jour. Okay. Il vient en cours de saison. Ouais. Premier jour, il m'a sendu devant tout le groupe. Ah ouais. Pendant son discours d'arrivée. Ah ouais, comme ça là. Ouais. Il y a même pas eu un entraînement, rien. Rien. Il dit quoi ? Je sais plus trop. Il vient. On dirait, je sais pas. Il avait pensé que c'était un joueur qui foutait la merde dans le groupe. Donc du coup, limite,
des petits cons comme Chris, voilà, ouais. Moi j'en ai rien à foutre et tout. Je vais... Okay. Là, c'est la première fois que tu le vois. Première fois, je me rappelle. Donc, on partait en décrassage ou je sais pas quoi, on partait en forêt. Il y a une photo, je l'ai avec lui en plus. Cette photo, elle est trop morte parce que j'ai la photo dans ma tête. Et en fait, pendant le footing, j'ai dit, je vais l'attraper, c'est pas possible. Et en fait, je cours, je suis coach. Venez, venez, venez. Et on court pendant la, entrer la cuisine. La forêt. On court, on est ensemble, la photo. Le mec, le CM qui prend la photo, il sait pas que moi, je suis en train de lui dire, coach, c'est la dernière fois, faites ça. Je dis, là, j'ai pas réagi, j'ai rien dit. Mais ça sert à rien de faire du bruit dans le vestiaire pour montrer que vous avez les épaules larges. Il me dit, ah non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, ok. Ah, il arrive. Je crois qu'il est resté un mois ou deux parce qu'il était dans le centre de formation. Il m'a pas fait jouer un match. Ah ouais. Ouais. Sans explication, mais de toute façon, je n'en voulais pas. Donc, je vois pire coach chez lui. Forcément, on est obligé de faire le lien avec pourquoi il a dit ça. Et forcément, je pense qu'il a dû faire des liens très faciles avec ce qui s'était passé avec les jeunes en équipe de France. Ouais, facile. C'était en 2012 avec Antoine Griezmann, Mvila, Mbaye Niang, hein, Wissam Ben Yedder. Vous êtes en rassemblement entre deux matchs, match aller-retour avec contre la Norvège, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous décidez, c'est au Havre, vous décidez de sortir. Le but, c'est pas de revenir sur ça. Tout a été dit, etc. Ouais, dans la sauce, hein. Ouais. Bon, c'est des erreurs de jeunesse, tu vois ce que je veux dire. On va d'ailleurs se remater. T'étais dans le vestiaire, t'en avais parlé. C'était vraiment top comment t'en as parlé. C'est pour ça qu'on va pas redire les mêmes choses. Est-ce qu'au final, t'as pas du coup, je finis l'histoire. Vous êtes sorti entre le match aller et le match retour. Vous avez fait le Havre-Paris. Ouais, c'est ça. En taxi? Pas en taxi, mais. Pas bon. En taxi? Ouais. Ok. déter, les mecs. Mais on a tous été déter comme ça. C'est ça qui est marrant. On peut se sentir concerné dans votre histoire, en fait. Mais à ce moment-là, non, personne n'était concerné. On nous a tous été au pâturage. Hein. On était c'est là. Pour ça. Là, à ce moment-là, là, j'en c'est parle, ça que je rigole avec l'âge. Mais non, j'ai c'est pris... ça que je veux te dire. Ouais. Et du coup, pour moi, forcément, tu me racontes l'histoire du coach de Troyes. T'as jamais parlé avec lui. Il t'a jamais vu sur le terrain. Et pourtant, c'est toi qui cible. Ouais. Forcément, ça vient de cette histoire. Non, je pense que quand j'arrive à Troyes, j'ai fait une période en Russie entre temps, mais quand j'arrive à Troyes, ouais, t'es rentré depuis Rubin Kazan. Voilà. Donc, je pense que ça m'a à ce moment-là collé à la peau. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que petite parenthèse, c'est pour ça que tu te barres loin. J'ai envie de dire. Non, pas forcément. En fait, je peux expliquer comment c'est passé. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ouais, en fait, je sors de ma deuxième année au Stade Rennais. Ouais. C'est l'année où je sors. Ouais. C'est l'année où je fais le plus de matchs au Stade. Quand tu dis je sors, c'est la fameuse sortie. La sortie. Ouais. Donc du coup, il se passe la sortie. Excès de confiance. De quoi? Excès de confiance à ce moment-là? Non, tu dis c'est l'année où tu joues le plus de matchs, etc. Revanchard en même temps. Revanchard. Ouais, parce que. En fait, en début de saison, en plus, je ne suis pas titulaire. Hein. Je suis pas... Oh, allez, on va revenir. T'inquiète. On va mettre un step back. C'est mieux. Ma première année à Rennes, ouais. Je crois que je joue 14 matchs. Okay. 14 matchs, des entrées. Je ne suis pas titulaire indiscutable. Et, dernière semaine, là, il faut bien écouter. Quand je dis des fois, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, faut forcer le game pour jouer. Ouais. Et je l'ai fait deux fois. J'ai pas raconté ces deux games, mais je vais raconter cette dernière. Okay. Dernière semaine de championnat, on joue contre Dijon. Ouais. On joue contre Dijon et il y a le week-end d'avant, il y a la soirée des Oscars. Ok. Il y a la soirée des Oscars. Bref, soirée des Oscars. Oscar cinéma? Non. Oscar du foot. Ah ok. À Paris. Toi aussi. On parle de foot ou on parle de cinéma? Tu veux quoi? Tu veux? Je sais pas. Ça se trouve t'as des passions. Moi je suis ouvert d'esprit. Oscar du foot. Il y a la soirée et tout. L'après soirée et tout. Et c'était le samedi ou je sais plus quand. Et le lundi, le coach il vient et dit, ouais, qui allait à la soirée des Oscars? Tout le monde dit non, personne. Tout le monde nie tout ça. Y a pas de souci. Le mardi ou le mercredi, dernière semaine de championnat, après c'est les vacances. Le mardi ou le mercredi, il fait Mavinga, Mvila, Kanabeik, Doumbia à disposition du préparateur physique.
moi, en ça, fait, ça veut dire quoi dans le langage foot à disposition du préparateur physique? Du langage foot, ça veut dire que la dernière semaine, au lieu que ce soit c'est les petits matchs, les petits jeux, il y a le soleil en au mois de mai ou je sais pas quoi, où là c'est vraiment que du jeu, et ben nous, non, on va faire du physique. Du 15-15, du 30-30, ils nous envoient faire. Donc punition. Punition, c'est une punition. Ils nous envoient là, là-bas avec le préparateur physique. Moi, en fait, on est dans le vestiaire. Après, en fait, le vestiaire, il va dans son bureau. Moi, je sais pas, je chauffe. Je pète les plombs. Okay. Genre, je me lève du vestiaire. J'ai dit, je sais pas qui, quoi. J'ai insulté tout le monde. Je vais pas dire les mots. Je suis allé voir le coach. J'ai dit, coach, c'est la dernière semaine, vous me cassez les couilles. Alors que toute la saison, il y en a toute la saison, ils pleurent pour jouer. Moi, je ne suis pas venu pleurer parce que je n'ai pas joué. J'ai joué 14 matchs, mais ouais. C'est pas des 14 vrais. C'est pas même pas le moitié du championnat. Moitié de la saison. Ouais. Je dis, je ne vous ai pas cassé les couilles toute l'année. Ouais. Et c'est là aujourd'hui, vous me cassez les couilles. Ouais. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive, quand lui, il pète les plombs. Il dit, tu me pars comment, petit con? Il m'attrape par le col. Ah ouais? Ouais, il m'attrape par le col. Et moi, en fait, je l'attrape aussi par le col. J'ai dit, aujourd'hui, je suis viré, je ne vais plus jouer au Stade Rennais. Je ne vais plus jouer au Stade Rennais, c'est fini. Mais tant qu'à faire, autant partir sur un beau coup. Ouais, je lui dis, au moins, vas-y. Et moi, en fait, je me suis dit, là, je l'ai attrapé, on s'est attrapé, mais je n'ai pas donné le premier coup. Je dis, s'il me la met, je rends. Je dis ça. j'ai 20 ans, je suis dans ma tête, je me dis. Eh, vas-y, c'est bon. En fait, j'ai tout gardé la frustration de la saison. Ouais. En fait, c'est frustrant. Tu viens, tu veux jouer, mais tu joues pas. Et que la dernière semaine de championnat, on te fait un coup comme ça. Mm-hmm. Moi, je te jure, j'étais déterminé. Il y en a plein, ils peuvent te raconter l'histoire. Hein. J'étais déterminé. Et en fait, t'as tous les Kader Mangan, Julien Ferré, viennent me séparer, Costil. Non, Chris, ça fait pas. Je dis, non, c'est bon, moi. Ça m'a saoulé. Ça sort. Et pour moi, je me dis, de toute façon, c'est la fin. Ouais. On s'est embrouillé comme ça avec le coach. C'était le coach Antonetti. Parce que Sancho aussi, Corse. Il me parle en Corse. Il me dit, tu me connais pas. Tu me connais pas. Et moi, je dis, eh ben, toi aussi, tu me connais pas. Il dit, ouais, je te jure. Là, tu me connais pas. et moi, je dis, tu me connais pas. Et je te jure, ça se sépare et tout. Et vas-y, tu vois, dans ma tête, mais, tu vois, je sors, mais libéré en même temps. J'ai vas-y, et on fait quand même les cascades et 30-30. Hein. C'est-à-dire que nous, on est sur le terrain d'à côté, il faut des jeux et tout. Nous, on court comme des malades. Moi, dans ma tête, je dis, Rennes, première saison, ils vont me transférer, je suis viré. Et lui, il a kiffé ça, je suis sûr. Tu l'as dit. Il me convoque dans son bureau. Je sais plus si c'était en fin de saison ou la saison d'après. C'était en fin de saison. Antonetti. Il commande son bureau. Il me dit, Chris, ce que tu as fait là, tu m'as montré que je peux faire la guerre avec toi. J'ai dit, quoi? J'ai dit, tu te tapes bien donc. J'ai dit, mais il est malade. J'ai dit, moi j'allais te taper moi. J'ai dit, moi j'étais prêt à te taper moi. Tu me dis quoi? Il me dit, moi tu m'as montré que je peux aller à la guerre avec toi. Il m'a dit, j'ai eu deux joueurs qui ont pété un peu comme toi. C'est toi et Cyril Roll. Okay. Ceux qui prenaient tous les cartons rouges à Nice. Il m'a dit, vous êtes les deux. Vous m'avez montré que vous avez des couilles. J'ai dit, ah ouais. C'est quoi ton feeling sur lui? Pour moi, super coach. Hein. Okay. Ah ouais, non. Là, après la saison d'après, il m'a fait enchaîner. Ouais. Je passe les 14 matchs à 30 en championnat. Et après 30, parce qu'après, j'étais suspendu avec l'équipe de France. Mm-hmm. Donc en fait, j'aurais pu faire, je pense que si j'avais pas eu la suspension, j'aurais pu faire. Toute la saison, 37 ou 38 journées, je sais pas combien. Parce qu'ils t'ont suspendu aussi pour la Ligue ? Ouais, la Ligue, en fait, quand j'ai été suspendu un an, on a été suspendu un an avec l'équipe de France. Ouais. Mais le club, nous, c'était personnel, ils nous ont suspendu aussi. Ok. Donc du coup, et en plus... Parce qu'il y avait Mvila aussi dans l'histoire. Nous, on a été suspendu par le club. J'ai été suspendu par le club. Ils nous envoient en CFA. Non, ils nous envoient en réserve. Okay. Pour match de réserve, au bout de 7 minutes, je prends carton rouge. Non, mais sérieux, 7 minutes. C'est-à-dire, on joue à Vitré, match du championnat de réserve. Il y avait tous les journalistes, télé, même les jeunes, ils étaient là. Ils voulaient tous marcher à côté de nous parce qu'on était. Voilà. L'attraction du moment. Le stade Vitré, je pense qu'ils ont fait guichet fermé. Et moi, je te jure, au bout de 7... Non, mais attends. Le match, il commence.
Promédio, il a un long ballon. Je me tourne. L'attaquant à côté de moi, il tombe. Donc il marche dessus. Ouais, je sais plus, je sais même pas. C'est une petite faute de rien du tout. Je te jure, je sais même pas attaquer. Ouais. Et je fonce. L'arbitre, je le vois, rouge. Là, t'as senti que. J'ai dit... que ça allait te coller à la peau un ouais, petit coup là. Ouais, j'ai dit là, c'est mort. Ouais. Donc, injustifié pour toi, le carton rouge. Ouais, carton jaune, tu veux, mais même tu siffles, ouais. Mais il n'y a pas. Et allez, 7 minutes, le match, il n'a pas commencé, ouais. 7 minutes. C'est pas comme si je suis dernier défenseur, je tire le maillot. Hein. Il tombe. Carton rouge. Il faut quand même préciser, parce qu'il y a peut-être des plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu cette histoire, tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. Parce que ça va faire presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans, ouais. Vraiment, l'équipe, les viewers, c'était partout dans les médias. Et on parle de joueurs, parce que là, on dit Mvilla, Griezmann, etc. À l'époque, le grand public ne vous connaît pas, en fait. Non, non, et non, après... tout le monde en parle dans les médias, c'est non, terrible. Ouais. On vous tombe dessus comme jamais. Mais pour recontextualiser, en plus, vous arrivez pas loin après 2010, la Coupe du Monde 2010, ouais, le football français, voilà, c'est Night très, très compliqué. Etc. Donc, en plus de ça, enfin, il y a ça, il y a ce que vous faites. Donc, en gros, il y a tout ce qu'il faut pas faire. Non, mais... non, non, là, c'était vraiment l'équipe de France, c'était target. Ouais. Tout ce qui se passe avec l'équipe de France, c'était repris. Et... Sinon, c'était allé loin, cette histoire. Ouais, journal ouais. 20h, moi, je me rappelle... Quand ça sort dans la presse, ouais. quand ça sort dans la presse, c'est Mvilla, il m'envoie un message, je crois à 5h du matin ou à 6h, il me dit, on est dans la merde. Ah ouais. Il est plus âgé que toi à ce moment-là ? Ouais, il a un an plus que moi. Il m'envoie l'article qui sort. Je dis, putain, ouais. merde. Et en fait, je vais à l'entraînement, je suis au ralenti. Je vais au club, je vais au ralenti. Et là, tu sais qu'il y a tout le monde qui tombe dessus, qui va tomber dessus. Ouais, c'est-à-dire que donc ça, t'es chez toi quand tu reçois le texto de Yann Mbila. Ouais. Tu vas au club. Quand tu rentres au club, tu pousses la porte, tu mets le pied. Tu ressens quoi ? Oh là là là, tu te sens seul au monde. T'as l'impression que t'es seul. Tu rentres. Tu sens les regards déjà. Les regards, tout le monde te regarde. Le coach, je me rappelle à cette époque, il vient dans le vestiaire. Bah, il nous a pas répondu directement. Il a dit là, je sais pas quoi vous dire. C'était encore Antoine Etier ? Ouais. Il dit je sais pas quoi vous dire. Donc du coup. Voilà, on s'entraîne normal. Après, ça a pris de l'ampleur, ça a bien pris de l'ampleur. Et là, il est revenu le lendemain. Il a dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes vous allez en réserve jusqu'à ouais. nouvel ordre. Il nous dit voilà, je mets en réserve jusqu'à nouvel ordre. Et un jour, je m'appelle, il y a un jour, c'est ce cas. Et un jour, le lendemain qu'il nous a dit ça, on va directement dans le vestiaire de la réserve. Ouais. Il nous appelle, quand il est énervé, Antonetti, il ne t'appelle plus par ton prénom. Par ton nom. Par ton nom. Maminga Mvilla, venez ici. Là, on rentre au vestiaire. Déjà, je ne vous ai rien dit. C'est moi qui décide ici. Et si je vous dis, quand je vous dis de partir avec l'équipe réserve, vous partez. Là, vous partez. C'est ça, il nous a fait asseoir, genre, 10 secondes pour nous, voilà, pour bien nous engueuler. Et nous faire partir. Comme le prof, genre quand tu rentres en retard, ouais. Non, 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 tu ressors, tu toques et tu rentres. Voilà. Mais pour repartir. Ouais. Voilà. Comment tu le racontes ? J'ai l'impression qu'il était un peu emmerdé entre. Pour lui, c'était pas une erreur qui méritait peut-être ce qui vous arrivait en termes de répercussions, mais qu'en même temps, c'était parti tellement loin qu'il pouvait pas, ne pas le faire, tu vois ce que je veux dire ? Bah ouais. C'était ça un peu, non ? Bah après, ouais, c'était ça, parce qu'Antonetti en même temps. Il se sentait un peu désolé pour vous, quoi. Ouais, mais il nous a fait quand même la misère. Bien sûr. Il nous a fait la misère. Par principe, je bien pense. Sûr, mais parce qu'après, il m'a quand même fait rejouer, quand même. Donc, du coup, même Yann Mvilla, du coup, il aimait beaucoup Yann. Donc, ouais, il nous a fait la misère, mais en même temps, elle était justifiée à ce moment-là avec l'ampleur et tout. On est resté, je crois, 2 semaines avec la réserve. On savait même pas quand on est rentré. Avec... Et tu disais que tu reçois un texto de Yann Mvilla. J'imagine que c'est pas le seul que t'as reçu. Non, à ce moment-là, ouais. Est-ce que ton téléphone, il a fumé comme en période de transfert ? Ouais, j'ai coupé. Ah ouais. Je faisais que de sonner. Mes parents, ils m'appelaient, marcelaient. Regarde, on voit ta tête partout à la télé. Et ouais, puis c'était pas pour les bonnes choses. Du coup, les gens, ils disent tu vas niquer ta carrière, tu vas plus jouer au foot, tu vas plus être professionnel. T'es le rêve de plusieurs gosses, tu l'as gâché juste pour une sortie. Donc quoi, à ce moment-là, tu dis ouais, j'ai merdé, j'ai fait n'importe quoi. Donc c'était dur, c'était un moment difficile. Et tu fais quand t'étais venu faire le vestiaire à l'époque, tu racontes que à ce moment-là où vous décidez de sortir, il y a d'autres joueurs
Ouais, on était beaucoup. Hein. Qui décide de pas sortir. On était beaucoup. Et tu fais le parallèle entre ceux qui n'ont pas décidé de sortir et qui ont une très belle carrière derrière. Ouais, ouais, non, on était plus que ça. Vous avez dit les noms, vous avez cité les noms déjà. Mais on était beaucoup plus. On était dans une chambre d'hôtel au Havre. Mm. Et je pense que s'il y avait plus de voitures ou même un bus, je sais pas. Vous pouvez voir la sélection, je sais pas, en 2011 ou 2012, peu importe. Je vais chercher ça. Il y a plus de joueurs que ça. Il y a des joueurs qui font des très belles carrières. Ils sont champions du monde, ils sont tout. Mais alors attends, parce que bon, vous décidez de partir. Donc déjà, vous êtes parti en taxi. Pas taxi, c'était une voiture. C'était une voiture. Un mec qu'on connaissait. Ah d'accord, parce que j'allais te demander, il a coûté combien le taxi? Parce que le Havre, pareil. Non, mais le taxi, ça a été gonflé. Hein. Ça a été gonflé pour la presse. Alors attends, justement, tu peux nous expliquer ce qu'il y avait de faux dans ce qui a été dit, par exemple, parce qu'on a parlé de l'histoire du taxi, tu nous dis que c'est pas un taxi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été amplifiés? Bah oui, comme c'était la veille de match. C'était pas la veille de match? C'était pas la veille de match. C'était combien de temps avant? Putain, alors c'était trois jours avant. Okay. D'accord. Mais veille de match, on jouait en Norvège, comment on a pu sortir la veille de match? Sachant qu'on voyage, quand tu joues un match, tu voyages la veille déjà. Mm. Donc on n'aurait pas pu sortir la veille. Non, c'était trois jours avant. D'accord. C'est trois jours avant le match. Donc, du coup, après, les gens, ils pensent qu'on est sorti la veille du match. Donc, du coup, ouais, ça fait plus parler. Ouais, tu ouais. Veilles, mais après, trois jours avant, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup mieux. Hein. J'ai pas non, on ne dit pas ça. Mais justement, après, c'est là où tu vois aussi que, tu vois, tu peux te... Dans l'imaginaire des gens, c'est pas ça. C'est pas ça, l'équipe. Ça, c'est 19. Il faut mettre espoir. C'est aux espoirs. Espoir. J'ai mis 20. C'était l'équipe de France Espoir. Équipe de France Espoir en 2011. Ouais. Ouais. Et il me semble que c'était quoi, au mois d'octobre, novembre, non? Comme ça. Octobre, ouais, c'était en début. Ouais. Ouais. Et sur le moment, sans vouloir rentrer dans les détails, est-ce que tu sais que c'est pas bien ce que vous faites, ou est-ce que tu te dis ça va? Mais non, mais enfin, désolé, je te coupe, frérot. C'est que je pense que ça arrive tout le temps. Non, mais c'est comme quand... dans tous les clubs, dans toutes les sélections, ça doit arriver tout le temps. Non, ce genre mais de truc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où, tu sais, on a parlé de l'épisode pendant la Coupe du Monde 2018 de l'extincteur. Mm. Didier Deschamps, il dit, on passe pas, on est mort derrière. Mm. Comme il passe, ça c'est calmé. Là, c'est pas que tu sais que tu fais une connerie, mais est-ce que tu dis, ça va, c'est pas non plus dramatique. Non. Ou là, tu sais que tu t'abuses un petit peu quand même. En fait. Je pense que quand on joue le match aller contre la Norvège, on a gagné que 1-0. Et franchement, on les a peut-être pris de haut. On leur dit, ouais, attention, ça va être facile, on va terminer le match là-bas. Et voilà. Donc, à ce moment-là, on se dit, quand on décide de sortir, c'est ce qu'on se dit, que la Norvège, on peut les battre même chez eux. C'était pas très fort au match aller. On gagne que 1-0. Et donc, à ce moment-là, je ne me dis pas, ouais, c'est un truc de fou ce que j'ai fait à ce moment-là. Mmh. Parce que c'est la jeunesse. Hein. Oui, oui. Tu as 19-20 ans. C'est clair. C'était trois jours. Tu veux... C'était un moment où on se dit, oh, on va décompresser. Peut-être c'était abusé sur le moment. Les gens, c'est vrai que quand tu repenses, tu te dis, voilà, ça... tu aurais dû peut-être dormir. Et peut-être que... Tu penses que ça a changé la physionomie du match? Non, je ne pense pas. En vrai? Non, je ne pense pas. Parce que. Le coach, il est avant que ça sorte à la presse, il le savait. Mm. C'est Eric Monbert. Ouais. Okay. Donc, que vous étiez sorti et tout. Bah oui, c'était ouais. Nous dans le groupe, on le savait. Et donc, ça n'a pas changé sa compo de match ou voilà, quoi. C'est, voilà, il le savait. Et je crois qu'il a fait plusieurs réunions et tout. Donc, ah ouais, mais en plus, c'est... Ouais, je vais raconter. C'est, allez, vas-y, on est dans la sauce. Allez, on va lui dire comment ça s'est passé quand il l'a su. On est en Norvège. Et je sais plus, je crois que c'est l'adjoint, il vient dans la chambre. Non, il vient dans la chambre, je suis tout seul. Il me dit, Chris, il y a Eric Monbert qui veut te parler. Je dis, ok. Tu sens comment là? Tu te dis, ça sent pas bon ou... Je dis, c'est bizarre, il veut me parler, on est là, tranquille. Pourquoi il veut me parler maintenant? J'arrive devant lui. Il me dit, ouais, Chris, il parle comme ça. Ouais, Chris... J'ai entendu qu'il y avait des gens qui étaient sortis. Est-ce que tu es au courant de l'histoire? T'as entendu qu'il y a des gens? Ah bah non, coach. Non. Non. Ah bon? Ah bon? Sérieux, des gens sont sortis? Ah ouais, non, moi je suis... Ah, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, franchement. Il me dit, ah ouais, ok. Parce que là, tu te dis, solidarité. Ouais, bah oui, bah solidarité, oui, d'équipe. De toute façon, c'est comme ça. C'est toujours sur la tête d'équipe. Il y a pas de... Je vais pas balancer les mecs et tout. C'est impossible. Et quand je sors du bureau, j'attends... Appelle-moi Yann Mbila. Et je me dis, oh putain. J'ai dit, là, c'est sûr, c'est moi. Là, il sait. Et ouais. Et moi, je sors.
Non, je sors, je le croise pas. Il va chercher peut-être qu'on est dans l'hôtel, peut-être qu'il est dans une autre chambre, peu importe. Moi, je reste dans la chambre, je reste comme ça dans la chambre. Et Yann, il rentre dans la chambre. Je crois que je suis avec lui en chambre. Ouais. Il rentre, il me dit, Chris, aïe, c'est mort, on nous a cramé. En plus, toi, t'as menti. Vas-y, va le voir. Je lui dis non, moi je l'ai menti. T'as. Et moi, je suis oublié de repartir le voir. Donc moi, je repars le voir. Je lui dis, ouais, coach. J'ai oublié un truc. Coach, c'est vrai, j'ai oublié un truc, j'ai menti. Ouais, j'étais là, je suis sorti et tout. Il me dit, ouais, je sais, je savais, mais c'est bien que tu viennes me dire la vérité. Je dis, ouais, je suis désolé, tout ça. Et de toute façon, les choix que vous allez faire, de toute façon, je comprendrai, il n'y a pas de souci. Et il dit, je sais qu'il y a des autres, mais on n'est pas encore sûr. Et en fait, moi, je ne sais pas comment ils retrouvent les trois autres. Parce que moi, Yann, on était, je crois, elle était la tête d'affiche. Mmh. Et après, les trois. Parce que là, à ce moment-là, ce n'est pas encore sorti dans la presse. Ce n'est pas sorti. Donc, lui, c'est que c'est une enquête qu'il mène. Ouais, c'est une enquête. Et après, je ne sais pas comment, il a sorti les trois autres. À ce moment-là, plusieurs réunions, on les fait jouer, pas jouer. Sauf que le problème, c'est que moi, ils ne pouvaient pas me faire jouer, peut-être mettre sur le banc. Mais Yann Villa qui était redescendu des A à chez nous, s'il ne faisait pas jouer... C'était la star du moment. Ça allait parler. Mmh. C'est clair. Donc du coup, il est obligé de le faire. On va dire, il est un peu obligé lui, de le faire jouer. Moi, il me fait jouer, mais s'il voulait, il ne me faisait pas jouer. Mmh. Donc du coup, ouais, il y avait Fouazi Koulam, il y avait comme bon monde, tu vois. Haïdara qui vient de prolonger avec Lens. Ça, c'est l'équipe de l'époque. Ouais, ouais. Varane, Mangala, Korchia, Zinatmian, Il y a des gros noms. Ouais, du coup. Attends, je regardais un peu les questions là. Ouais, regarde. Mon top 3, je vais vous Toja Kovic. Mon top 3 des joueurs avec qui j'ai joué, je vais répondre. Le premier, on va dire. C'était pas vrai, c'était compliqué, mais. Je vais dire Kevin De Bruyne. Ok. Thibaut Courtois. De Bruyne, à l'époque, tu sens la puissance ? Trop fort. Ah ouais ? Ouais. De Bruyne, Courtois et à l'époque, je jouais Yann Mbila. Ouais. Super joueur. Tu sens la puissance des mecs ? Ouais. Eux, ils étaient au-dessus. Ouais. C'était vraiment au-dessus. Tu dis ça, mais t'as joué avec des mecs comme Raimi, comme Kakuta, comme Jires Kembo et Coco, Van Der Ville, la Cazette. Donc c'est pour te montrer aussi à quel point t'as vu du bon monde. Ouais, non, mais les deux premiers, bah, Yann Villa, on connaît, mais De Bruyne, même si De Bruyne, on connaît aussi, mais eux, c'était... Moi, De Bruyne, je me rappelle, lui était milieu gauche, moi, j'étais à gauche, et je me rappelle que tellement il était fort offensivement, je lui disais, mais... Attends tout seul. Moi, les deux contre un, je les gère, je reste derrière, le latéral laisse le monter, toi, garde tes forces pour attaquer. Il était tellement fort que c'était abusé. Et Courtois, il avait 16 ans à l'époque, il faisait 7 tailles. Il faisait déjà 2 mètres. Mais en plus, c'était un gamin dans la vie de tous les jours. Mmh. En dehors du foot, c'était un gamin qui faisait des vieilles blagues nulles. Voilà, qui jouait à la PlayStation. Mais quand il était dans le but, dans le match, il changeait, il switchait. Et en plus, c'est que tu as l'impression que tu ne peux pas le marquer. Ouais. Des actions, moi, même dernier match, le mec, il m'enroule, il passe et tu te dis, c'est bon, il va marquer. Tu sais pas comment il la sort, l'avant-bras et tout. Trop fort. Mmh. Et après, les deux, ils partent direct à Chelsea. Et c'est des mecs avec qui tu es resté en contact un petit peu ou pas sur les réseaux, avec qui tu échanges? De Bruyne un peu moins. Mais Courtois, même quand ils sont venus en stage avec le Real Madrid, moi, j'étais à Montréal. On avait échangé et tout, on s'était vu et tout. Et après, Courtois, j'ai joué aussi en Europa League. Quand il était à Atlético Madrid, moi, j'étais à Rennes. Mmh. On avait échangé nos maillots et tout. Et après, c'est vrai qu'on a moins de contacts parce qu'après, on a la vie de famille. Mais en plus, oui, avec le temps, les choses évoluent. Avec le temps, mais après, je pense que de toute façon, on se connaît. Si on se retrouve, ça va être. Voilà. Comme avant. Mmh. Ouais. Donc, du coup, pour clôturer l'histoire, Mombert découvre le truc, il décide de ne pas changer l'équipe. Ouais. Et c'est surtout la presse qui fait péter le truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, parce qu'on perd, en plus on se fait éliminer. Ouais. C'est ça. Donc, du coup, moi je me rappelle, l'équipe, ils m'ont mis un. Ah ouais? Ouais, ils m'ont mis. Mais parce que le mec il était là et celui qui a dû. Ouais, Warcott, ouais. Il a balancé l'histoire. Et... Ouais, il fallait appuyer avec les notes, quoi. Ouais, je capte. Ouais, donc je du capte. Coup. Derrière,
ton histoire en équipe de France s'arrête à quel moment? Bah direct après. Hein. Ouais. Du coup, t'es suspendu un an. Ouais, suspendu un an et donc ouais, l'équipe de France c'est fini. En plus après, ouais. Après, là, tu te dis c'est mort pour moi en équipe de France à vie. Ouais, ouais. Après tu vois que bah, après moi en fait, en plus moi je fais ma saison, mais je suis transféré en Russie. Ouais. Et ouais, l'équipe de France, de toute façon, entre les espoirs et les A, ouais, il y a une montagne. Hein. Ouais, ouais. Il y a une montagne, c'est-à-dire. C'est bien, on s'en rend pas compte. Ouais, ouais. On s'en rend pas compte. Et surtout que ce qu'il faut aussi, dis-moi si je me trompe, mais les espoirs s'arrêtent à 23 ans. Ouais. Donc à 23 ans, t'es pas non plus, enfin à l'époque peut-être, mais t'es pas encore le joueur au top, enfin ce que je veux dire, t'es pas au pic de ta forme. Et un joueur de 23 ans n'est pas le même qu'à 28 ans. Mmh. Donc c'est pour ça que le cap, tu dis, entre les espoirs et les A, il est immense, on se rend pas compte. Mmh. Et que une fois que t'as passé 23 ans, tu peux plus être sélectionné en espoir. Ouais, si tu peux plus être sélectionné en espoir, c'est-à-dire que là après, c'est comment tu vas te comporter en championnat, tous les week-ends, si tu performes ou pas. Donc du coup... après, si tu es en Ligue 1 ou en Europe, peu importe, bah, si tu es performant, bah, tu peux peut-être aller chez les A. Mmh. Mais si tu es moins performant ou tu es moins vu, parce que moi, en plus, je pars en Russie à ce moment-là, mmh, bah, tu pars un peu aux oubliés. Tu dis que tu as été transféré au Rubin Kazan. C'était pas un souhait de ta part? Ouais, j'ai été transféré. J'ai bien dit ça. Alors, je me dis bien exprimé. J'ai noté. Non, c'était pas... c'était pas un choix de ma part. C'est là que voilà, le monde du football, on découvre d'autres choses que les gens ne voient pas forcément. Ils vont te dire, ouais, mais non, il est parti pour l'argent. C'est ça. Bah, c'est ce qu'on entend, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois Rubin Kazan, on ne dit pas, t'es parti pour projet sportif. On dit, t'es parti pour l'argent. Donc moi, je termine ma deuxième saison à Rennes, 30 matchs. C'est l'année, en fait, avant que je joue les matchs, on a une team qu'on voit qui me dit, coup de Chris. Tu vas être sifflé, vous allez être sifflé partout en France. Vous allez être sifflé partout. Donc, est-ce que tu vas résister à ça? Je dis à mon coach, de toute façon, je suis vraiment cher. Hein. J'ai merdé, je montrais que je suis là. Donc, du coup, on me dit, OK, donc on enchaîne les matchs. Bah, j'enchaîne les matchs, donc trentaine de matchs. Ouais. Et c'est vrai, on se fait siffler. Moi, je me sifflais, mais un peu moins, parce qu'il y a Mvila. Lui, tous les ballons, il touchait. C'est dur, lui, c'était l'équipe de France A et tout. Donc, moi, j'étais vu un peu comme le prochain gros joueur de l'équipe de France. Voilà, moins connu, donc ça a passé un peu sur Ada. Du coup, bah, moi j'enchaîne, je ferme ma bouche, je ne pars plus à la presse, je suis vraiment concentré sur le foot, voilà, pour montrer que je suis là. Et en fait, je fais une trentaine de matchs, tu l'as, pas de souci. Tu as des clubs qui commencent à me contacter, tout ça. Et, mais moi, à ce moment-là, c'est... Montagné, c'est ça, comment ça? Ouais, Philippe Montagné. Ouais. C'est Philippe Montagné qui arrive au club. Ouais. Qui arrive au club à ce moment-là. Et lui, il a eu Griezmann à la Sociedad. Voilà, il a eu Griezmann. Donc quand il arrive, il me dit, moi, Griezmann, je l'ai fait jouer. Je m'en fous de cette histoire. Ouais. Moi, je vais te faire jouer. Tu es mon numéro 1 latéral gauche. Il me dit ça direct avant, dès le premier jour. À Rennes. Dès le premier jour, on se voit. Moi, je dis, ah, bah, tant mieux, tout ça, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de problème. Moi, coach, je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis prêt comptez à jouer. Sur moi. Ouais, comptez sur moi. Donc on ça a... te booste. Voilà, bon discours, mais c'est pas ça. C'est là, on est début de saison, pré-saison, avant la saison, donc le mercato qui est ouvert. Donc du coup, moi, je me vois rester à Rennes, il n'y a pas de souci. Hein. T'étais bien là-bas. J'ai envie de confirmer, parce que voilà, je fais une match, mais j'ai envie de confirmer. Et là, un jour d'entraînement comme ça, je m'entraîne, je finis l'entraînement, on me dit, ouais, Chris, t'as attendu dans les bureaux. Moi, j'arrive dans les bureaux, je vois, il y a trois mecs, parle pas, trois Russes. Donc, avec des armes ou pas? Non. Il y a trois Russes, donc il y avait vice-président, son traducteur, il y a un autre mec, je sais pas c'était qui, il était là, ils sont assis. Et là, je vois, c'était... Comment il s'appelait le... Ah, j'ai plus le nom du directeur sportif à l'époque. C'était plus De Rossi, c'est un autre. Il me dit, ouais, Chris, bon, voilà.
Salut. Oussem. Attends, tiens, prends, parce que moi je dois y aller. Malheureusement, je dois laisser la pub. Mais... Ça va, les amis, Chris, ça va. Ouais. Ça fait des interviews trop sérieuses, là. Je vois que c'était parlé très. Ouais, Chris, il parlait sérieusement et tout. C'est détente. Ça raconte ma vie un peu. C'est bien. Ouais. C'est super intéressant. Non, donc il me dit, pour revenir à mon histoire, il me dit bah, c'est bon, Chris, nous on s'est mis d'accord avec eux. C'est bon. Je dis comment ça, vous êtes mis d'accord? Il me dit nous, le club, entre les deux clubs, on est d'accord, maintenant c'est à toi de négocier tout de suite avec eux. Donc toi, t'es à l'entraînement, t'as jamais entendu parler de cette histoire, tu débarques au bureau, tu vois trois mecs, et on t'annonce qu'en gros, tu vas être transféré. Voilà, Rubin Kazan, vice-président, son traducteur et un je sais pas qui. C'est bon, maintenant c'est à toi de négocier avec eux. J'ai dit, attendez, comment ça se négocie comment? Mon agent n'est pas là. Mon agent, il n'est pas là et tout. Donc du coup, allô, j'appelle mon agent, lui il est à Paris, il faut qu'il arrive à... c'est le soir, hein. C'est un entraînement le soir, il arrive à je sais pas quelle heure, 20h-21h, il arrive. Il me dit, voilà, apparemment le club il s'est mis d'accord, maintenant c'est à nous de se mettre d'accord. Ils me font une première offre. Moi je dis, entre ce que je gagnais à Rennes et l'offre qu'ils me font, déjà elle est énorme. Ouais. Elle est énorme. Je en dis, mode plus haut. je dis, elle est énorme. Et moi je dis, non, je veux pas ça moi. Je demande plus. Et moi je demande plus pour moi, il me dit, c'est impossible qu'ils acceptent. Mais là t'es en mode, quitte à aller là-bas, autant avoir beaucoup? Non. Même pas. Non, c'est en mode. Moi je veux rester à Rennes, mais ouais, en fait, là on est là, je veux qu'ils se mettent pas d'accord. En fait, c'est limite. Toi tu fais tapis, mais pour qu'ils se couchent quoi. Moi voilà, pour qu'ils se couchent. Mais là ils me disent quoi? Oh, mais attends. Là on va appeler le coach, mais sauf qu'il est en déplacement Europa League, préliminaire d'Europa League, faut qu'on attende que le match se termine. Pour voir si. Donc, du coup, moi je rentre, je prends ma douche, j'ai pas pris ma douche encore. Ouais. Je remonte, c'est horrible. Le match, je termine, ils appellent le coach, ils ont gagné. Il appelle, il dit coach en russe, ouais, Chris, il veut ça. Apparemment, le coach a dit ouais, c'est bon, vous me donnez. Non, donc il coupe le téléphone, ok, c'est bon. Le coach, il veut que ça soit toi qui soit la terre gauche numéro 1. Là, tu te dis, je suis dans la sauce. Je me dis, mais non. Donc, moi, j'ai dit, ouais, attendez. Je vais vous faire une offre encore. Il rajoute une offre. Moi, je rentre chez moi, je suis obligé de parler à ma famille. Je ne peux pas signer en Russie. Je peux pas signer en Russie. Non, mais attends, non, on en rigole. Deux secondes, on en rigole. Mais tu rentres chez toi, tu dis à ta mif, vous aimez bien la Russie? C'est ça en gros quoi. Il fait chaud et tout. C'est ça en gros. Non, mais qu'on se mette à la place aussi, parce qu'on le fait pas souvent, qu'on se mette à la place d'un joueur de foot, d'un joueur professionnel, et les petits paramètres comme ça qui, au final, dans ta vie privée, c'est pas si simple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est pas simple, mais. Il y a des. Tout salut monde. Alors pour dire. Non, mais ça trouve la bonne ambiance de Twitch. Si tout le monde vient nous dire bonjour, etc. Comment tu vas, Thibaut? Je te présente Chris Mavinga. Salut Chris, salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, les gars? Ouais, bonjour. Les gars, ça va? Alors, tu vas toujours ici? Attends, je te fais un petit câlin parce que quand même tu vas manquer. Attends, aussi, mais de toute façon. Ça va, comment? Ça m'a beaucoup manqué. Ça va? Bonne année? Meilleur moment? Bonne année à toi, c'est? Bonne année à tout le monde. Attends, c'est toi. T'arrives au meilleur moment parce que. Chris Mavinga est en train de faire une anecdote, mon gars. On était sur une histoire un peu deep quand même. Incroyable. Le transfert de Chris de Rennes au Rubin Kazan en Russie. Alors qu'il est pas au courant. Il sort de l'entraînement, il arrive au bureau, il y a trois Russes qui l'attendent, ils lui disent bah, tu vas jouer au Rubin Kazan. Alors Thibaut, ça lui arrive très souvent des Russes qui l'attendent, mais c'est pas. C'est pas. C'est incroyable quand même. C'est ouf. Ouais. Du coup, continue. C'est bien quand même après. Je suis vraiment trop chaud sur le. Du coup, tu rentres chez toi, tu préviens ta famille. Ouais, donc j'en parle à mes parents, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle dit direct. Je lui dis les chiffres, elle me dit ouais, c'est beaucoup, mais non. Ouais. Ah ouais, elle est solide ta maman, parce que moi je connais des mamans. Elles auraient dit non, mais après les chiffres, elles ont dit ah d'accord. Non, allez. non, elle dit non, elle dit non direct. Elle dit non direct. Ça me dit reste la reine, faut que tu progresses, faut que tu confirmes et tout. Donc du coup, moi je lui dis, ouais, elle a raison. De toute façon, moi je suis bien reine, j'ai envie de continuer et de voir ce qui va arriver après. Mais non, je rentre à Rennes, c'est comme si j'appartenais plus au club. Ah ouais, quand tu retournes au club le lendemain ou quoi? Ouais. À l'entraînement? Il me calcule plus. Le coach, moi, je peux rien faire. Montagnier? Ouais. Du coup, je peux plus m'entraîner. Ah oui? Ouais, je peux plus m'entraîner dehors. Ils veulent peur que je me blesse. On est à quelle période là du mercato? Non, août ou. Okay. C'est le début de mercato. Non. Ok. Ouais. Ils veulent plus que je m'entraîne. Du coup, ils m'appellent les matchs amicaux. J'étais en tribune. Et même en salle. Il voulait pas que je lève les poids. Il me disait non. Bah, tu vas te blesser. À cause tu te blesses. Ouais. Putain, c'est terrible. Et après, le directeur de sport, j'ai oublié ce nom. Il va me revenir.
Jeff Force et Fury. Non. C'est pas lui, c'est pas lui. Je l'avais vu tout à l'heure, après, il est venu là. C'était lui, moi. Parle pas sur moi. Non, c'est pas lui. Ouais, directeur sportif vient me voir, il me dit ouais, c'est bon, on a déjà trouvé ton remplaçant. Il me dit normal, on a trouvé ton remplaçant. Nous, tu fais plus partie du projet. C'est violent quand même. Ouais, non. La sortie, elle est là-bas. C'est ça que dans le foot, on voit pas forcément. On voit pas, exactement. C'est pour ça que j'en discute avec vous aussi, avec les internautes qui sont là. C'est que le football, des fois, c'est pas. Tu choisis pas forcément ta destination ou là où tu veux aller. C'est aussi quand le club a des idées, parce que en plus moi je viens avec Antonetti et Piadro aussi, mais dès qu'il y a un changement d'entraîneur, de directeur sportif, c'est une autre histoire. Peut-être que lui veut ramener ses joueurs, il a ses idées et tu colles pas à leurs idées, donc du coup moi il me dit clairement j'ai raté le début de l'histoire, mais l'agent dans tout ça, ton agent, il se bat pas avec toi, il dit, t'inquiète, on va rester, on va faire la guerre. C'est pas intéressant, il fait la guerre et le club il veut plus faire jouer, il va aller à la cave pendant 6 mois. Parce que je dis ça, mais il me disait clairement, tu vas plus jouer. C'est ça la vraie menace en fait. Et il n'y a pas de t'inquiète, on va gérer ça ensemble, on va les faire changer d'avis. Combien de joueurs les pauvres ont vécu ça ? Non, bien sûr. Sachant qu'avant, on recontextualise encore, mais il y a l'histoire du taxi, il y a tout ça. Donc tout ça en fait, t'as une grosse pression sur toi en gros. Ouais, il y a une grosse pression, donc tu sais que. Tu sens que le club il veut se débarrasser de toi un peu ? Je sens que peut-être le directeur sportif. Ouais. Il a besoin d'oseille. À l'époque, il pose 5 millions. Ok. Ah ouais. L'époque, c'est pour un jeune formé au club en plus. Ouais, j'avais. T'avais à peine 21 ans. J'étais latéral gauche et on posait pas 5 millions sur un latéral comme ça. Donc du coup, 5 millions, moi, il me récupère à Liverpool pour 1 million. Ouais. Donc c'est en deux ans, ils ont fait leur plus-value. Ils disent, ah non, c'est bon, c'est plus business. Et la question, parce que j'en vois venir certains qui pourraient penser ça, ouais, mais tu vis ça, mais tu gagnes bien ta vie. À l'époque, tu passes de combien à combien en salaire? Beaucoup là, c'est beaucoup. La crue d'une casane, arrête, c'est combien par mois? Il y a des cousins qui vont revenir et tout, laisse-le tranquille. Bah, attends, il y a la question qui pique qui arrive, donc t'en fais pas. L'argent, ça aide à faire oublier ça? Non. Bah oui. Est-ce que quand il fait très froid, l'argent, tu te dis, bon, ça, il fait un peu chaud quand même? Non. Il a vodka. Que les gens se rendent bien compte. Je parle de chiffres. On est là, on s'en fout. On est entre nous. Ouais, on n'est pas beaucoup ici, t'inquiète. Non, quand je suis à Rennes, je suis à l'année. Je parle à l'année. Je suis à 300 000 bruts à l'année. Avec les impôts. Ouais, avec les impôts. Donc au final. Il reste 20 euros. 150. Voilà. Et quand je pars en Russie, il me donne 1,5 million net. Okay. Ah, net ? Ouais. Ah oui, d'accord. Mais malgré ça, t'as le seum. Il a 21 ans. Il a 21 ans à l'époque. J'ai un coup de fil, il faut que j'aille en Russie. Attends, à l'époque, tu connais quoi de la Russie ? Rien. Voilà, tu sais pas où ça se situe. Attends, le club, tu sais pas où il se situe, tu sais pas qui y a, tu sais pas ce qui se passe. Moi, c'est que je sais que le club Rubin Kazan, de nom, ils avaient joué des matchs en Ligue des Champions, donc ils jouaient la Coupe d'Europe. Et en fait. Quand Arène il voulait plus trop de moi, il me disait ouais, il faut que tu fasses tes valises, tu te bats. J'essaye de trouver les points positifs d'aller là-bas. En fait, après, tu te dis bon, ok, je vais être là-bas, même si on ne gagne pas le championnat, mais il y a l'Europa League. C'était qualifié pour l'Europa League. Je me dis, mais c'est encore une vitrine. Donc, Rom Kazan, ils arrivent à s'en sortir de faire des beaux parcours en Europa League. Donc, il y aura quand même, j'aurai peut-être l'opportunité de me montrer. C'est important ce que tu dis, Chris. En tout cas, moi, je trouve que c'est un message important à faire passer aux plus jeunes qui veulent se lancer dans une carrière ou qui sont actuellement en centre de formation. C'est que le foot, en fait, tu dépends de plein de choses. Et encore plus aujourd'hui, dans les milieux où même des petits clubs peuvent se permettre de mettre des grosses sommes sur des joueurs, c'est que si tu as un long contrat avec un club, c'est le club qui décide de ce que tu veux faire. Et c'est pour ça qu'il y a souvent, en plus, les problématiques ces derniers temps de les joueurs attendent d'aller au bout de leur contrat et après, les clubs sont pas contents, oui, mais il fait ce qu'il veut. Oui, mais pendant des années, il y a eu des exemples comme Chris. Il y a des clubs qui ont fait ce qu'ils voulaient, des joueurs. Et que l'argent n'est pas synonyme de bonne santé mentale aussi. Non, ça c'est clair, ça. Non, mais comme je vais revenir, c'est vrai que des fois, les clubs, en plus, surtout, les clubs, ils ont tellement de pouvoir. Ouais. Et après, ils peuvent te donner une image auprès de la presse. Ils te tuent. Donc après, les gens pensent qu'ils disent la vérité sur tout. Donc au final, voilà. Mais t'as eu des exemples de clubs où t'as senti qu'ils ont balancé ou activé des leviers à la presse ? Des exemples. On en voit tous les jours, mais... Genre, tu vois des exemples dans la presse, tu dis, oh, ben ça, c'est le club, c'est sûr.
Je sais pas, en fait on saura jamais, mais souvent on entend, tu sais, un tel est parti au clash, mais il faut voir d'où vient l'histoire du clash, tu vois. Souvent, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, parce que des fois c'est vrai qu'il y a des joueurs aussi, ils réfléchissent pas, ils prennent des décisions un peu brutes, mais oui, des histoires comme Chris, mais c'est terrible. Ouais, il y en a tout le temps, du coup voilà, c'est... Donc voilà, je trouve des points positifs sur Rubin Kazan. Tu vas apprendre le russe? J'apprends le russe, non, mais il n'y a pas tout. C'est... Et t'as appris? Ouais. Gavaroparovski. Il y a Gavaroparovski. Ah, belle. Babacha. Solide. C'est plus que moi. Tout. Là, bah ouais, donc du coup, bah ouais, Rubin Kazan. Donc du coup, bah, comme chez Karen, c'est mort. Je le sais, parce que je lui dis, de toute façon, je vais au clash. Ils me font comprendre, c'est mort. Donc je lui dis, bon, écoute, je suis en Russie. Donc, je suis en Russie. L'entraîneur, j'ai plus son nom, il arrive, il fait 11 ans au club. 6 mois après, j'arrive, viré. Mais ça, c'est un peu l'histoire. Enfin, j'imagine que c'est l'histoire de beaucoup de joueurs. Comme mais on sent que ça t'a marqué. Hein. Ouais. Ben, moi, c'est quand je disais que des fois, on ne contrôle pas sa destinée ou la façon, tu vois, la chose. Parce qu'on me dit, ouais, mais carrière. Non. Des fois, les contextes, tu ne peux pas les gérer. Tu peux pas gérer. C'est-à-dire que même si tu es bon, tu es performant, peu importe, des fois, c'est, le football, il est comme ça. C'est clair. C'est, moi, quand j'arrive à... moi, j'ai que ça. Hein. Je raconte ma vie, tu vas voir. Moi, Boutima, le mec, 11 ans club, c'était le légende. C'était Ferguson de là-bas. J'arrive. Lui, c'est même pas pour résultat, parce qu'on est dans les premiers. On se qualifie... pour les 16e ou 32e Europa League. Donc, on passe le groupe, premier du classement. On doit jouer Betis Séville le match d'après. Décembre, il s'embrouille avec le président, je ne sais pas pourquoi. Viré. Donc, du coup, le coach, un nouveau coach qui arrive. Chris, je ne veux pas de toi. Donc, tu passes 6 mois, tu es à la cave. Et là, tu sais, c'est même pas... parce que c'est je veux pas jouer, c'est pas parce que l'autre il est plus fort que moi il joue, non, c'est pas ça, c'est pas pour faire le non, c'est le coach il veut pas toi, il veut pas te voir, tu dis tu vas sur le côté. Donc du coup toi tu passes 6 mois, bah tu joues pas, t'es là, tu ta valeur elle baisse, on te voit pas, tu vas jouer l'Europa, le mec il arrive, on était bien en Europa League, on joue Betis Séville, on se fait éliminer, alors que on se fait éliminer chez nous. On fait 0-0 ou un partout à Séville. Ce qui est un beau résultat. Donc, c'est un beau résultat. Et ils nous battent chez nous 1-0. Alors que normalement, chez nous, tu ne gagnes pas. Il fait moins 25. Tu vois, impossible. Les mecs, impossible. Non, ouais, et en plus, on a synthétique. Non, on a perdu. Voilà. Donc, j'arrive. J'arrive à. Donc, 6 mois. J'arrive à Reims. J'arrive à en Reims. Prêt. En prêt. Donc, je suis prêt. Je sais que Rémi Cazin, il ne veut plus de moi. Donc, je vais en prêt à Reims. Donc, c'est le nouveau coach qui ne veut pas de toi. Ouais, le nouveau coach, ouais. Moi, donc, il m'envoie en prêt. Et là, je vais à Reims et c'est Jean-Luc Vasseur qui me récupère. Jean-Luc Vasseur, c'était mon entraîneur, mon coach au centre de formation de PSG. Il me fait venir à Reims. Il me dit, ouais, ok, je te fais venir à Reims et tout, il n'y a pas de souci, bien. Je viens. Il reste pas longtemps, lui, je crois aussi. Ouais. Voilà. Je viens. Avis pour ton prochain entraîneur. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Est-ce que quand tu signes maintenant, tu dis à l'entraîneur, écoute, tu m'as fait signer, gros, tu vas pas rester. Je préfère te le dire. Alors, ouais, dit, non, mais je pensais que c'était moi, chat noir. Je me suis dit, c'est pas possible. Le mec, il me fait venir, il veut que je vienne, il se fait virer. Je vais à Reims, on joue maintien. Lui-ci, viré. Donc, quand il se fait virer, le coach qui arrive, il dit, moi, les joueurs prêtés, je vais pas les faire jouer. Putain, c'est terrible. Je vais construire avec les miens. Ouais. Les mecs, ils vont rester là. Donc, c'est pareil. Tu t'assois et tu joues pas. Donc, après... Donc, attends, là, on est quand même sur une partie de ta carrière. C'est un peu plus sombre, on va dire. Ouais, ouais. Non, ça, c'est vraiment dans le sombre. C'est J'arrive à m'en sortir, à trouver des clubs, mais je suis dans le sombre. C'est-à-dire que j'étais à Rennes, j'étais bien. Ouais. On m'envoie en Russie. 6 mois, ça se passe bien. Finalement, je suis dans le trou. Et là, c'est vraiment le trou. C'est-à-dire que... En Russie, après, quand je rentre, je reste quelques mois en Russie, mais je suis dans l'hôtel, je suis fermé. Galère totale. Ouais, je suis fermé dans un 20 mètres carrés, 30 mètres carrés d'hôtel, mais en plus, en Russie, je sors pas. Hein. Mm-hmm. Je suis vraiment hôtel, maison, hôtel, maison. Ouais. Trois m'appellent. Jean-Marc Furlan. Aïe. Allô, Chris. Ouais, viens à 3. Il vient de monter en Liga. Vas-y, viens et tout, on a besoin de toi et toi, pas de soucis. Bah oui, mais coach, il n'y a pas de soucis.
Donc j'y vais à 3. Jean-Marc Clément, viré. Oh là là. C'est énorme. Tu sais que c'est ouf cette histoire. Et quand je te disais Claude Romain pour pire coach, ouais. Bah, c'est Jean-Marc Clément. C'est lui qui remplace. C'est lui qui prend le groupe. Ah, ouais. Donc il prend le groupe à ce moment-là. Mm. À ce moment-là, on a eu 3 entraîneurs. 4 entraîneurs. On a eu Furlan, Claude Robin, viré au bout de 1 ou 2 mois. Puis après, c'était les adjoints de Jean-Marc Furlan qui ont pris le groupe. Qui ont pris à la fin de saison pour terminer la saison. C'est ouf. Et c'est là que tu dis, vas-y. Et après, 3, je suis rentré en Russie. Ouais. Et en fait, il me restait 6 mois de contrat. Je dis, tu sais quoi, j'ai eu tellement de galères. Maintenant, je vais m'asseoir sur mon argent. Je vais rester jusqu'à la fin de il me restait 1 an. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai tellement galéré. Okay. Finalement, entre 3 et 1, j'ai dû jouer même pas 30 matchs. Tu mets les deux combinés. Donc, du coup. À quoi ça sert de se faire prêter si c'est pour pas jouer? Tu te dis ouais, ça. Ouais, tu te dis. À chaque fois, il y a une galère. Je vais te prêter. Parce qu'en fait, quand je suis prêté, je fais signer un gros contrat. Mais quand je suis prêté, je touche pas cet argent. Je touche pas cet argent. Pourquoi? Vas-y, explique. Parce qu'en général, c'est les clubs qui te récupèrent. En fait, c'était des accords. Moi, en fait. Et à ce moment-là, c'était plus l'argent. C'est-à-dire je voulais jouer. Ouais, c'est-à-dire que j'ai, vas-y, c'est quoi, je vais là-bas, me paye rien. Je prends le salaire que le club me donne à Reims et à 3, qui était inférieur à ce que je gagnais à Rennes. C'est-à-dire que je suis plus vieux, mais je gagne beaucoup moins. Okay. Parce que c'est des clubs qui viennent monter en Ligue 1, donc forcément, ce ne sont pas les mêmes budgets. Donc du coup, moi, c'est juste le jeu. Je veux juste jouer. Je ne demande rien d'autre. Je ne veux pas d'argent. Donc c'est-à-dire ces 2 ans-là, je ne gagne rien. Je gagne rien. Si, je gagne de l'argent, mais je ne gagne pas parce que. J'avais signé en Russie. Et donc voilà, et la dernière année, je me disais, de toute façon, je vais repartir en prêt, voilà, je vais me mettre sur le banc. Je dis, okay, bah. Le coach va se faire virer, tout ça. En plus, je suis encore, moi, je suis dans une période où j'ai rien confirmé. Ouais. J'ai fait une saison pleine à Rennes, mais j'ai pas confirmé. Donc quand j'arrive à Reims et à 3, j'ai peut-être pas assez confirmé. Donc pour moi, je me dis peut-être que là, c'est mon dernier contrat, ma année de contrat. Et... J'ai plus le souvenir, t'es international à ce moment-là? À 3, je crois, avec le Congo. Ouais. Et ça te fait du bien d'y aller et tout? Oh, mais ça me fait ouais, grave du bien. J'imagine. Ça me fait grave du bien. Moi, à ce moment-là, juste d'aller au pays et voir l'amour du peuple. Jouer un peu, ouais, tu sais, voir d'autres choses. Ouais. Quand est-ce que tu prends ta décision de jouer pour la sélection congolaise? J'apprends quand je suis à. Reims ou 3, je ne me rappelle plus trop. C'est un an après, j'étais suspendu, je crois, même FIFA. Ah ouais? Ouais. C'était pas que FIFA. Ah oui, parce que sur l'âge, ouais. Ouais, c'était FIFA, je crois, il y a un truc comme ça. Le changement de nation, c'est ça? Ouais, ouais. Donc, Ah, tu te fais suspendre quand tu changes de nation? Non, c'est parce que. Non, là, toi de... je crois que c'est au moment. Ouais. Ta suspension, c'est dû au changement de nation parce que t'avais dépassé 21 ans et que t'avais joué avec les espoirs. Avec l'histoire de la sortie, je crois qu'il y a venu un truc comme quoi avec la FIFA, tu pouvais pas. Tu veux pas toutes les compétitions FIFA, ouais, du coup. Okay. FIFA. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ok. Vas-y. Je sais plus ce que j'allais dire. Okay. Non, t'arrives au Congo, quoi. Tu vois, c'est la sélection, tu découvres. Et ça fait du bien, etc. Ouais, ça fait du bien ça fait du bien au mental. En fait, c'est vrai que le mental, ça fait du bien. En fait, quand j'étais en Russie, c'était après ma dernière année de contrat. Je passe 6 mois, je suis en Russie, mais je m'entraîne avec personne. Je suis tout seul. Je dois pointer, donc venir en entraînement, comme tout le monde. Mais on me dit, j'étais pas tout seul, mais on était 3-4. Bah ouais, mais on vient à 8h, vous vous entraînez qu'à midi. C'est-à-dire qu'on est là de 8h à midi, les mecs vont s'entraîner, ceux qui jouent le week-end, il n'y a pas de souci. Quand ils rentrent, nous on va sur le terrain. Sauf qu'on est sur le terrain, y a un coach, et même pas le coach. Parce qu'en fait, les contrats, quand c'est comme quand ils parlent de loft, parce que les gens ne savent pas c'est quoi vraiment le loft. Loft, c'est que. T'as un membre du club qui doit être là sur le terrain et toi tu dois être sur le terrain, mais tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que juste t'es là parce que c'est le contrat qui dit que tu. Voilà. Mais si demain le club n'amène personne sur le terrain, c'est eux qui peuvent avoir des sanctions. Okay. Donc du coup, des fois ils vont apprendre en attendant, ils vont être là et après tu fais ta séance tout seul. C'est et, ouf. Et les lofts, c'est ça que. Et c'est une pression mentale parce que le club à ce moment-là il veut plus te garder. Ouais, et tu le sais, ils te le font savoir. Tu le sais. Et tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas faire grand chose, mais en même temps, même si tu veux partir, je veux bien partir, mais peut-être pas jouer, je veux montrer à personne, puis personne va me dire que moi, j'ai plus de qualité, je vaux plus rien. Mmh. Donc du coup, t'es enfermé dans ton trou, t'es tout seul, et là, moi je suis dans ma chambre d'hôtel,
je vois plus personne, c'est-à-dire je prends plus aucun plaisir, je rentre. Parce que t'es en Russie, t'es loin de ta famille, t'es loin de tout ça, quoi. Je suis loin de tout ça. Moi, ils ont essayé de faire des problèmes. Je me rappelle que ils m'avaient dit oui, faire un examen. Ouais, les Russes. Ouais, tu peux aller faire un examen à Paris. Quand j'arrive de rendre l'examen, c'est, ils m'ont fait un accord et tout. Je vais, je reviens. Ah non, il a raté l'entraînement. Donc après, je suis allé à la Fédération russe. Ils ont essayé de me dire ouais, faute grave et tout. Et pourtant, j'avais rien fait, j'avais l'accord. Au final, j'ai gagné parce que j'ai rien fait de grave. J'avais toutes les preuves que, ouais. Et même quand j'allais sur le terrain, pour pas. Je me rappelle que mon agent me disait tu vas sur le terrain, prends ton téléphone, montre que tu es sur le terrain. Comme putain, ça, c'est... si tu as un problème, tu as les heures et tout, que tu es bien sur le terrain. Mmh. Tu n'es pas ailleurs ou tu n'es pas. Donc, je c'est ouf. Je venais sur le terrain, je prenais mon téléphone. Tu prenais une photo. Et comme ça, une photo, ou comme ça, il y a l'heure, il y a toujours l'heure. Et tu vois, tu peux, pointé, pas, quoi. Tu peux pas mentir quand tu fais une photo sur ton, ton téléphone, il y a écrit l'heure à un moment. Donc, je montrais que j'étais là. C'est ouf. Et ouais, donc, ouais, 6 mois comme ça. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi. Ils me disent, ouais, mais nous, on ne veut pas te garder. Donc, au mercato de janvier, j'ai dit, ok, mais moi, je pars si vous me donnez les 6 mois qui restent. Ouais. Donc, jusqu'au 31. Moi, je ne bougeais pas ma position. J'étais là, j'ai dit, non, je reste encore. On m'a vu, je suis resté. On m'a fait toutes les misères du monde. Mais non, c'est bon. Je suis prêt à tout encaisser. Vous allez voir, je vais rester ici. Ils m'ont attendu jusqu'au 31 janvier. Ou 30 janvier. Avant, ils m'ont dit, ok, c'est bon. On te donne tes 6 mois, tu peux partir. T'es transféré le dernier jour du mercato ? Ouais, mais moi, avant ça, en fait, mon agent me demande, il me dit, ouais, j'ai des possibilités à droite, à gauche, voilà. Il me dit, tu veux aller où ? Je lui dis, écoute, moi, l'Europe... C'est fini. Ouais. Fini. En moment, j'ai envie d'aller en MLS, aux États-Unis. Comme ça ? Comme ça. Tu sais ? Ouais, moi, parce que t'avais toujours voulu connaître l'aventure américaine ? Non. Non, moi, pour moi, j'avais tellement souffert ces moments, à ce moment-là, d'être à la CAF pendant 6 mois, ne rien faire. J'ai l'impression que j'étais plus un joueur de foot, quoi. Ouais. Je me suis dit, ouais, vas-y, l'Europe, j'ai plus envie de me prendre la tête avec la Reims 3 et tout. Les... J'ai dit, envoie-moi une MLS. C'est fort. Ouais. C'est fort ce que tu dis parce que tu sens que ça vient vraiment d'une souffrance. Ouais. Après, heureusement que tous les cas ne sont pas comme les miennes. Hein. Non, bien sûr. Tu vois, donc, je dis pas aux jeunes, ouais, attention, vous allez vivre ça. C'est que vraiment. Et t'as des carrières pires, j'imagine aussi. Il y a des carrières pires, bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être encore sous contrat avec un club. Il y a des mecs que j'ai connus, ils n'ont plus de club. Ouais. Donc, du coup, bien sûr, il y a pire que moi. C'est que, juste le message que je veux passer, c'est que c'est très difficile. Il faut avoir le mental, il faut être prêt à encaisser tout ce qui arrive. Après, des fois, tout va bien, t'as de la chance. Ouais. Et le problème, c'est je trouve que ce soit les médias ou la société, elle te pousse à te fixer sur les carrières qui se passent super bien, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que c'est ce qui se vend le mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, alors que les meilleures histoires, elles sont, tu vois. C'est ça. Et tu penses que c'est la norme, quoi. Bien sûr. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine que oui, est-ce qu'à un moment donné, dans cette période-là, surtout à la fin de ton époque à Rubin, etc., tu te dis, ça m'a tellement fatigué que j'arrête ? Ouais. Plus d'une fois. Normal. Plus d'une fois, j'ai dit, je pense que le foot est terminé. Il n'y a plus rien. J'ai fait deux prêts, deux échecs à Reims et à Troyes. Peut-être que je me voyais plus beau. Au final, non. J'ai pas... quel âge à ce moment-là ? J'ai 24-25. Je suis super jeune. Je vais chiner à Toronto, j'ai 26. Donc, du coup, je suis super jeune. J'ai encore le temps, mais je me dis, j'ai tellement souffert, enfermé dans une chambre d'hôtel. Et à penser, tu sais, il y a des idées noires à ce moment-là. Ouais. Je dis, qu'est-ce que je fais là ? Ouais, j'ai de l'argent, je gagne bien ma vie. Mais l'argent, t'as absolu qu'il sert à rien. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup de solitude aussi. Ouais, tu te sens seul, tu te sens... Voilà. Pas marié, pas d'enfant à ce moment-là ? Tout seul, là, je suis tout seul. Donc du coup, non, je dis, envoie-moi MLS. Ouais. Quand il me dit ça, il me dit, ok, donc je connais un mec qui connaît des contacts en MLS, je vais le voir et tout. Ton agent ? Ouais. C'est le même agent depuis le début ? Ouais. Toujours le même. Moi, j'ai jamais changé. Il me dit, je connais un autre agent qui, lui, a les entrées. Qui est en place, les entrées à MLS. Je dis, ok. Il me dit, on va le voir sur Paris, tu lui expliques un peu ce que tu veux faire. Je dis, ok. Bon, il me dit, ouais, c'est comment ? Je lui dis, écoute, moi... Ah oui, parce qu'en même temps, à ce moment-là, je vais beaucoup aller à terre à gauche, à Rennes, à Reims, à Troyes. Et en fait, j'avais envie de retrouver mon poste de formation. Dans l'axe. Dans l'axe, défenseur central. Je lui dis, ouais, moi, maintenant,
J'avais pas de base, pas de repère. Au final, je sentais que vas-y, c'était pas mon poste. Au final, j'avais performé à ce poste-là parce que j'étais comme ça, insouciance totale. Mais là, maintenant, je peux plus. Donc, je dis, moi, je vais jouer défenseur central. Ouais, j'avais jamais joué en pro défenseur central. Hein. Je dis, je vais jouer défenseur central. Il me dit, il regarde, il pense, il me dit, il y a un club ici qui cherche un défenseur central gaucher. Je dis, ouais, tu peux jouer ce poste. Je dis, ouais. Donc, il appelle Toronto. Okay. Il dit, ouais, il appelle Toronto. Il dit, ouais, devant moi, c'est Chris, Mavinga, est-ce que vous voulez? Il dit, ouais, on te rappelle dans 5 minutes. Donc, 5 minutes après. Il le rappelle. Il rappelle, il dit, c'est bon, on le veut. C'est ouf que ça se joue aussi vite. Alors, attendez. Bonne connexion, quand même. on va revenir sur ce passage MLS. qui sonne tout comme une renaissance, on peut le dire. Ouais. Avancez à la question qui pique. Ah, attends, mais... petite pub. Est-ce que je dois filer? Vas-y. Donc, non, juste merci beaucoup, c'est top. Je te kiffe, quoi. L'histoire, elle est... Non, mais c'est vrai, elle est ouf, l'histoire. Non, vraiment, c'est un bon kiff. Merci beaucoup, vraiment. Pas de soucis. Ciao, les gars. Ciao. Bye, ciao. Bien. Et tu vas parler de ta carrière tout ça, Rémi, comment t'as galéré à monter les escaliers pour venir jusqu'ici et tout. Il n'y a pas les gamins croisés, pas de talent. Allez, tu les gars. Ouais, ouais, ouais. Tu lisais le commentaire de Sinistouille. Ouais, non. Ouais, c'est ça. Il a fait une dépression en Europe. Tout ce qu'il raconte fait penser aux symptômes de la dépression. Si, dépression. Ouais. Je pense que j'étais dépressif, tout ça. Ouais. J'avais vraiment tous ces symptômes-là. C'est fort de l'assumer. C'est des noirs, t'avais des trucs de fou. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Fort. Je vois qu'il y a pas mal de réactions aussi. Je vois aussi que je vous connais le chat après. Presque un an. Je vois aussi que vous êtes suspendu aux lèvres de Chris, ça régale. Dingue sa carrière à Chris, nous dit Duffman. L'arrivée en MLS, c'est un soulagement. On va en parler, Yassimovic, dans quelques instants. Théo Baldo qui dit de 3 à LA, faut se mouiller la nuque. Oui, c'est ça, en fait. Et toute sa vie, t'as joué dans des villes où il fait tout le temps froid, en fait. Ouais. De Rennes, 3, Reims, Kazan. Ah ouais, laisse tomber. Ouais, là, Los Angeles, ça doit changer la vie. C'est la première fois, ouais, bon, le soleil. Sur les deux questions qui piquent, je pense que au final, on a tellement bien parlé que tu as dû évoquer la question qui pique. Mm-hmm. Juste, la question sur ta carrière. Petite question piège. Combien de cartons jaunes dans ta carrière? Cartons jaunes? J'aurais dû demander les cartons rouges. Peut-être... je sais pas. Moins de 40. Et tout au-dessus. Allez. Ah, t'en as pris des jaunes. Ouais, ouais. Mais pas beaucoup de rouges. Ouais. 46. 46. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et rouge, t'es à quoi? 3? Je suis 3 ou 4. 3? Ouais. Et que sur des gestes ou des énervements? Alors, j'aimerais bien te montrer celui-là. Attends. Vas-y. Montre-en un sympa. Tu veux en parler d'abord ou pas? Non, vas-y. T'as pris rouge sur ça au moins? Non. C'est incroyable. C'est vraiment ça la question. Alors, j'ai pris jaune. C'est incroyable. Donc parmi les 46, il y a celui-ci qui est, je pense, honnêtement, c'est pas une critique, c'est vraiment le carton jaune le plus dingue que j'ai vu de toute ma gueule, de toute ma vie. C'est le plus fou. De toute ma vie. Ces images, elles me suivent aussi, hein. Elles m'ont suivi, ces images. RMC Sport, le diffuseur officiel de l'UFC. MMA. John Jones, c'est bientôt. Ça, alors regardez le ralenti, c'est là qu'on voit vraiment. Ouch. Wow, on en rigole, mais j'imagine que toi, t'as dû vivre un moment. Non. Tu l'as mal vécu. Tu sais que tu l'as mis KO. Trop mal vécu. Ouais. Ouais. Ça, c'est la. Parce qu'on voit ton coéquipier derrière qui te sépare et tout, mais toi, t'as juste envie de savoir s'il va bien, quoi. Ouais. Sur ce match-là, c'était le dernier match. Pour savoir qui va être champion. Donc à Genk, entre nous et le Standard de Liège. Ouais. Je fais cette faute en première mi-temps, donc c'est à peu près la 20e minute du match. Je fais cette faute et on prend un but à la 44 ou 43e minute. La balle, elle me touche et Hakim Mangala, il marque 1-0. Donc on est à domicile. Mm. Donc ça fait 1-0 et là, Standard de Liège, eux, sont champions. Mm. Je suis à la mi-temps. Le coach, il vient me voir, il me dit, ouais, Chris, est-ce que tu veux continuer le match? Il me demande à ce moment-là si je veux continuer le match. Il sent que t'es mal. Ouais, il sent que je suis mal. Ailleurs, mais, ouais.
Mais il me dit, moi je lui dis non, mais je me sentais fatigué toute la saison, on est premier. Ouais. Et sur le but là, nous on avait juste besoin de faire un match nul. Ouais, ouais. Et sur ce but, c'est eux qui sont champions. Et moi, puis je fais ça. Ouais. Puis c'est limite passé, en fait, c'est un centre, tout le monde saute devant moi et la balle elle rebondit sur toi. Ouais. Et elle rebondit sur moi, il lui finit 1-0. Je me dis, je peux pas finir le match comme ça, vous dire, ouais, je sors du match. Je dis, non, coach, je continue. Par chance, on arrive à égaliser. Donc du coup, on est champion. Ouais. Mais t'as pas célébré. Moi, je vais dans le vestiaire. J'explose, je pleure, je suis mal. De la saison. Ouais, ouais. De la saison ou du match qui retombe? Non, c'est ça, l'action là. Ouais. L'action là. Pour le moi, mec, il a eu quoi là? Mais là, il a tout pris là. Ah ouais? Ouais, il a tout pris. Là, il a eu des multiples fractures et ah tout. Ah ouais? Ouais, il a eu des multiples fractures. C'était. Moi, je vais pour tirer, dégager. Ouais, ouais. J'ai mis sa tête. Donc, du coup, non. C'est ce que nous dit Théo Baldoni. Il dit après, on voit que son geste n'est pas intentionnel. Ouais, non. Bah, non. Mais du coup, moi, je célèbre pas et tout. Je suis en pleurs totales. Je peux pas. Les gars me disent non, tout le monde vient vers moi. Ouais, mais non, mais c'est pas grave. On sait que t'as pas fait exprès. Mais je dis ouais, mais non, j'arrive pas à kiffer. C'est-à-dire, le championnat de Belge, je l'ai gagné. Mais avec un saveur. Un saveur bizarre. Ouais, ouais. C'est. Je l'ai gagné, mais. Je capte. Ouais. Le club, il voulait que je reste. Ouais. Je dis non, je peux pas. Ah ouais, à cause de ça? Ouais, je peux pas. Ah ouais, ouais, bah, d'accord. Là, je prends carton jaune. Vraiment, ça t'a touché, quoi. Mais je prends carton jaune. Ouais. Je me dis, ouais, je vais être sur la liste noire, moi. Ouais, je vais arriver. Je vais faire premier un petit duel, foot. Ouais. Ils vont te dégainer. Les championnats belges. C'est surtout que ça s'avait tourné partout à l'époque. Oui, ouais. Dès que j'arrive dans un club, ils me montrent cette image. Tout à l'heure, je l'ai regardé. J'étais tout seul ici. J'étais en mode. Oh la dinguerie, frérot! Incroyable, ouais. Incroyable. Mmh. C'est ouf. Donc, c'est le plus beau carton jaune, enfin, façon de dire, le carton jaune le plus incroyable que j'ai vu de ma vie, vraiment. Question qui pique. Du coup, ton plus gros salaire, mais j'imagine que tu l'as déjà évoqué, ouais, c'était au Rudmin Kazan. J'ai dit, ouais. Et après, c'était quoi? Ton salaire actuel. Ah, mon salaire actuel, elle est normale, hein. J'ai baissé hein, de ouais. Fou, là. Ouais, j'ai baissé de fou. À L.A. Ouais, allez. Ouais, ouais, il a le même salaire que toi, Lemuel. Ouais, c'est la même chose. Pas dur à atteindre. Bah, la même chose. Je te le souhaite pas. Je te souhaite quand même de kiffer un peu plus. Par contre, j'ai vécu à LA avec un salaire encore plus bas que ce que j'ai actuellement. C'est vraiment pas fun, je tiens à te le dire. Du coup, l'arrivée à Toronto. Ouais. Au Canada. Une ville encore où il fait chaud. Ouais. Ça, l'été il fait chaud. Hein. L'été il fait très chaud. Il fait chaud hein. Mais l'hiver. L'hiver, en fait, l'hiver il dure longtemps. On l'appelle un peu le mini New York. C'est ça. T'es resté longtemps quand même là-bas. Ouais, j'ai fait 6 saisons. Donc du coup, ouais, j'arrive à Toronto. Ouais. T'étais dans quel feeling, quel état d'esprit quand t'arrives là-bas? C'est une grosse ville et tout. Tu dis ouais. Ouais, je me suis dit, bah, plus rien à perdre. Franchement, je me dis. En fait, je me dis pas plus rien à perdre. Je me dis, si j'arrive pas à réussir là-bas, bah, le foot c'est terminé. Ok. Je dis après, j'arrête. Ok. Si, en fait, parce que je sais pas ce qui m'attend. Mm-hmm. Je me dis, si j'arrive pas à Toronto, je suis désolé, j'arrête le foot. Hein. Ok. Je me prends plus la tête. Est-ce que par rapport à ton début de carrière qu'on a évoqué tout à l'heure, et tu sais, quand t'es jeune, tu dis, bon, ok, j'ai été formé au PSG, je suis transféré à Liverpool, tu te fais un plan dans ta tête, c'est logique, c'est humain. T'arrives en MLS, tu fais, putain, je suis tombé bien bas. Bah, après ce que j'ai vécu ouais. Juste avant, ouais. Je me dis pas ça. Okay. Parce que c'est un choix voulu. Okay. Ouais, ouais. J'aurais pu rester en Europe ouais. Et peut-être rebondir et peut-être. On sait pas. Ouais. Mais c'est un choix. Ça, c'est moi. C'était personne d'autre. Moi, j'ai un agent, c'est la MLS. C'est bon. Je veux plus me prendre la tête dans les championnats d'Europe ou en Europe. Où, voilà. Laisse-moi MLS. Okay. Donc, du coup, je me dis pas non, c'est vraiment le choix que je voulais. Okay. Donc, du coup, je l'ai pris et. Je l'ai assumé. Et quel regard tu as sur la MLS quand tu arrives, les premières semaines, le niveau, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu constates? En plus, je pense que toi, tu arrives il y a quelques années, donc c'est au début de leur développement où ça s'internationalise un peu plus. Il y avait de nombreux imports, tu avais le droit à de nombreux étrangers, je ne sais plus comment c'était. Ouais, en fait, tu as 3 DP, on les appelle comme ça, c'est les mecs qui ont des salaires au-dessus du salaire cap. Après, toi, tu as 8 places avec les internationaux, tout ça. Donc moi, quand j'arrive, avec la mentalité d'Europe, ouais. Je me dis, ouais, ça va être facile, moi, la MLS. Ouais. je marchais sur la MLS. Et pourtant, j'arrive, j'ai plein de doutes. Hein. Je sais pas, je connais pas ma valeur sur le terrain, je connais pas mon niveau. Ouais. Parce que t'as pas beaucoup joué. J'ai pas beaucoup joué. Ouais. Je sais pas où tu sais pas où tu te situes. Ouais. Ouais, je sais pas où je me situe. Donc j'arrive, presque un an sans jouer. J'ai eu un poste que j'avais joué en centre de formation, peut-être 6-7 ans avant. Mm. Mais en défense centrale, j'avais jamais, on va dire...
on met les pieds. Bon, du coup, j'arrive. Premier match, Atlanta. Putain, si t'avais le résumé des deux. Atlanta, ils sont forts en plus. Ouais, ils viennent d'arriver. Il y avait Almiron là, qui a Newcastle. Ouais. Ils avaient une équipe des Sud-Américains. Les Sud-Américains. Ils étaient trop rapides. Tu vois, on fait 2-2. Et tu vois, les deux buts, c'est moi. Deux balles dans mon dos. Deux balles dans mon dos. Deux buts. Tu t'es dit, ah ouais. 60e minute, le coach, défense centrale. Hein. Changement. Et de ça. 60e minute. J'entends le stade, il est. Il commence à s'éclater. Ouais. Je rentre, je me rappelle. Hein. Je rentre, je m'assois sur le banc. Après moi, je vais voir ma femme. Et là, j'avais rencontré ma femme une année avant. Mm. Je dis, c'est bon, je crois que j'arrête le foot. Ah ouais. Ouais, je le dis. Je lui dis, c'est bon. Parce que là, tu doutes de ton niveau. Ben non, tu doutes. Tu dis, maintenant, tu joues à Toronto. C'est ton poste, toi, machin. Ouais, ouais. Atlanta, ils viennent mettre deux vitesses. On gagne 1-0, ils égalisent. C'est moi. Ouais, 2-1. On gagne 2-1, ils égalisent encore à cause de moi. À domicile. Je dis, c'est bon. Moi, le foot, c'est terminé. Je n'ai plus rien à savoir du foot. Donc, choc physique au début. Ouais, choc physique. Le championnat des MLS. Je crois c'était Zlatan ou je sais plus. Le championnat. Et physiquement, c'est incroyable. Si je le compare avec le championnat de France, c'est vrai qu'il est tactiquement, il est beaucoup moins fort. Mais en termes de physique et athlétisme, après, pas technique. Bon, technique et tactique, ouais, la France est au-dessus. Il ouais. n'y a pas photo. Mais en termes physique, ouais, ça court beaucoup là-bas. Ouais. Ouais. Ça court des fois pas dans le bon sens. Oui, mais ça court. Ça fait que. Ouais, c'est l'influence un peu sud-américaine aussi qu'il y a. Ouais, c'est... Voilà. Tu peux tomber sur des petits gabarits même et tout, même au milieu de terrain, mais ça court mais pendant tout le match. Quoi. Les mecs, ils courent, ils courent. Et donc, du coup, ça fait que. Ouais, les longs ballons, les mecs, ils sont toujours en train de courir. J'essaie de voir aussi les questions hein, en même temps. Il y a des questions que je veux aussi garder pour tout à l'heure. J'aimerais qu'on focus sur le parcours MLS. Il y a Duffman qui nous dit que ça progresse bien la MLS. Est-ce que c'est vrai que l'accent est mis sur la formation en MLS depuis peu? Et est-ce que Chris a vu une différence sur les jeunes qui sortent de là-bas, nous dit Symphonix? Ouais, bah ouais, non, du coup, c'est vrai que juste avant que je vienne, c'était beaucoup de joueurs, on va dire, en pré-retraite qui venaient en MLS. T'avais ce feeling-là un peu? Ouais, celui-là, bah, en fait, je pense que maintenant, ça va être le nouveau, ça va être l'Arabie Saoudite, ils vont faire pareil. Ils vont faire en sorte que voilà, les gens puissent connaître le championnat. On parle de leur championnat. Voilà, et après, dès qu'on aura fini de parler, on va le connaître. Et bah, là, ils vont commencer à sortir les jeunes. Et en fait, la MLS a fait ça. Moi, c'est vrai que c'était. Moi, je suis arrivé juste avant la fin de cette période pré-retraite. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 et tout qui veulent maintenant MLS, qui ont la trentaine. Ouais. Et les clubs, ils disent non. Aujourd'hui, ils veulent former. Ils veulent faire des transferts comme tout le monde. Ils veulent se faire de l'argent. Maintenant, comme je dis, le football, c'est les gens, ils veulent se faire de l'argent. Bien sûr. Ils vont mettre des jeunes de 20 ans, 16 ans qui n'ont aucune expérience et les vendre beaucoup plus cher. Ouais. Du coup, tu arrives là-bas. Bon, premier match un peu compliqué, on va dire. Tu te dis, putain, vraiment, ma carrière, elle est terminée. Ouais. C'est quoi le déclic? C'est quoi le déclic? Je suis sur le banc, j'enchaîne le banc. Et ah ouais, en fait, après ce match, t'enchaînes les bancs? Ouais, bah, j'enchaîne. Parce que l'équipe d'avant, ils avaient été finale de MLS. Tu vois, c'est un peu différent. Donc, ils sont en finale. C'est ils en format play-off? Ouais, play-off, et ils ont perdu. Ouais. Donc, du coup, l'année d'après, c'est à peu près on garde la même qui gagne. Donc, du coup, moi, je suis sur le banc. Et en fait, un jour, on joue, je ne sais plus contre qui, un des centrales, c'est une blessure. Il se fait une grave blessure au genou. Donc du coup je rejoue. Donc du coup je dis, je vais revenir sur les bases, me prends pas la tête, n'essaie pas de surjouer, je vais faire les trucs tranquillement, contrôle passe, gagne l'individuel, contrôle passe. Tu sens l'expérience qui rentre là? Bah là je me dis, faut pas, là j'ai voulu surjouer à un moment et en fait je dis, ça sert à rien, là faut que je reprenne tes bases et comme ça tu vas prendre confiance et comme ça va dérouler. Et en fait, voilà, match après match, j'ai commencé. Parce que là, je savais que j'avais du temps un peu devant moi pour m'exprimer. C'est pas comme si le mec, il revenait. Donc, du coup, j'ai commencé à enchaîner. Et du coup... J'ai plus bougé. On tu retrouves l'amour champion. Du terrain, l'excitation. Ouais, je retrouve tout. Ouais. C'est-à-dire que je retrouve mes sensations. J'ai l'impression que je me retrouve au PSG. Okay. Même, tu vois, la même sensation.
Donc, du coup, j'ai l'impression de voler, tout ça. Okay. Tous mes trucs, ils sont bien. Comme quoi, la confiance, tu vois, comment ça joue. Là, on prend plus dans le dos. On prend plus dans le dos. Il n'y a plus de vitesse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus dans le dos. Non, non, non. T'inquiète pas, on prend plus dans le dos. Là, je fais vraiment grosse saison. Au final, putain, ça devient une grosse saison. Et on finit champion. Excuse-moi. Il y a Yosh Lino qui dit, le coach, il est viré ou pas? Non, le coach, il n'a pas été viré, on a été champion. Ouais, il a fait virer tous les coachs. D'ailleurs, c'est toi qui l'as invité ou pas? Oui. Bon, fais gaffe. Ouais. Non, mais le coach, grosse saison. Le coach, il est resté longtemps après. Hein. Grâce à toi. Ah, là, tu bascules dans tout. Là, basculé. Et là, c'est le coach qui m'a récupéré à Los Angeles Galaxy. Ah, okay. C'est le même coach, en fait, on est resté. Tu l'as mis bien et t'as récupéré après. Voilà, là, il a dit, ouais, vas-y. Mais non. C'est une valeur sûre. Ouais, c'est ça. En MLS, c'est la valeur sûre, mais non. Je suis mort. C'est ouf comme du histoire. Du coup, déclic, tu retrouves l'amour du foot, ouais. J'ai envie de dire. Ouais. Dans ta tête, ça va mieux? Bah ouais, ça va. Là, c'est top. Ouais. Là, c'est, tu gagnes les matchs et après, je découvre les États-Unis en même temps. Ouais. Donc je joue des matchs à New York, je joue des ça matchs. Ça c'est ouf ça. Et mais ça c'est pas dur parce que c'est grand. Oui oui. Ouais. Bah, écoute, la première année, j'ai tellement souffert. En fait, en déplacement, j'ai souffert. Je me rappelle même d'un déplacement. On joue un mercredi à Dallas et un samedi à Orlando. Vraiment. Donc du coup, Dallas été. Non mais attends, en été, c'est désert du Sahara. Hein. 50. Ouais, ouais. 50. C'est 50 degrés. 50. Je me rappelle, attends, je vais jouer le match. Ouais. On perd 3-0. Ouais. Ce match-là. Il y a un changement. Aucune force. Non, il y a un changement. Et en fait, ils mettent le 22 pour je sais plus qui. Sauf que le 22, moi j'avais le 22 à Rubin Kazan. T'étais tellement KO. Et à Toronto, j'ai le 23. Okay. Et le 22, pour moi, c'est moi. Droit. Je sors. Je commence à courir. Pour moi, j'en pouvais plus. Il faisait trop chaud. Ça y est, tu sors quoi. Ouais, moi je sors. Pour moi, je dis, c'est bon. Moi, mon match est terminé. On perd 3-0. Il n'y a plus rien à jouer. et c'était le latéral gauche. Et il me dit, j'entends. Je vois le banc, il fait non, non, derrière toi. Je retourne comme ça, je suis. Ah ouais, mais c'est lui. Je dois rester. C'est lui qui a le 22. Putain. T'étais KO. Moi, j'étais KO, je dois rester tout le mois, j'étais mort. Ouais. Et en fait, trois jours après, on joue à Orlando. C'est la même, la Floride, c'est pareil. Ouais. À ce moment-là, en été, c'est trop. Il et fait Dallas, Orlando, t'as, je pense, bien 3000 bornes. Ouais. Facile, tu fais 3, hein. Peut-être un peu plus. Un bon 2-3 heures de vol. Ouais, 2-3 heures de vol, facile. Et mais attends, et Toronto, Dallas? Ouais, tu fais. C'est carrément. Non, tu fais du voyage. Tu manges des jet lag des fois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Du coup, t'as des sessions où tu rentres pas chez toi? Ouais, bah c'est ça. C'est en fait, tu joues à Dallas. Ouais. Et on enchaînait direct à Orlando. Ok. Et pareil, en fait, là, à Orlando, veille de match. Non, jour de match, je sens plus mon corps. C'est-à-dire? Je sens pas mon corps. J'ai l'impression que je sens plus mes membres. Ah ouais? Ouais. En fait, première saison, il fait trop chaud. Ouais. On se lève pour faire la promenade avant le match, mais je sens pas mon corps. Ouais. Je vais voir le coach, je dis coach, je suis désolé, là vous pouvez pas côté sans moi, je sens pas mon corps. Donc là j'écoute mon corps en même temps, tu prends de l'âge et tu comprends que des Du coup, faut t'écouter quoi. Ouais, faut t'écouter. Et il me dit ouais, y a pas de souci, mais sur il le banc, ouais, même sur le banc, je suis sur le banc, mais même l'échauffement je le fais pas. Fatigué quoi. Je peux pas. Ouais. Mon corps il c'est dit, ouf. Non. Il fait 50 degrés là-bas, 50 degrés là, mon corps il a dit non. Donc du coup, ouais. Toi aussi, il fallait pas jouer à Rubin Kazan. T'as habitué ton corps à moins 20. À Toronto, tu te rapproches, j'imagine, de quelques joueurs. Ouais. Avec qui t'es proche là-bas? Là, avec qui je parle encore très bien aujourd'hui, c'est José Altidore. Ok. Ouais. Super bien accueilli. Ouais. Il est francophone? Non. Le haïtien, lui, sa mère parle français, par contre. Ok. Mais pas lui. Lui, okay. Il est espagnol, anglais, mais en fait, bon délire et tout, donc on s'envoie toujours des messages. Après, j'étais aussi. Après, bon, moi, j'ai eu Chéron. Chéron aussi, je suis assez proche de Chéron. Okay. Ouais. Benoît, sinon après, j'ai eu Grégory Vanderville aussi, assez proche aussi. Fort. Et après, c'est de temps en temps avec Jovinko aussi, pareil. Ouais. Ouais. Après, toute l'équipe, parce quand t'es champion. Après, les affinités, elles sont décuplées de fou. Elles sont décuplées de fou. Lému, tu l'emmènes à Arès avec toi après. Plus sérieusement, il aime d'autres sports que le foot ou pas? Ouais, j'imagine que tu as dû kiffer quand même aux États-Unis le basket, la coup, NFL, du, tout ça. Du coup, au Canada, on n'a pas la NFL. Ouais. On a que la NHL. T'étais aux États-Unis quand t'étais à Toronto quand ça gagne le titre? Ouais, j'étais à Toronto, ouais. C'était le Zbul. Avec Kawhi. Ouais, c'était lourd. Ouais, il gagne 2019.
ou 18. Ouais, du coup, non, je kiffais un peu le basket en France, mais je ne regardais pas de fou parce que voilà, les heures. Du coup, là, j'ai eu la chance d'être vraiment aux heures américaines, donc voir des matchs de fou. Ça change ça. Hein. Et en plus, nous, le propriétaire, le président, on va dire propriétaire du club, il a le basket, il a le foot. Ah, c'est le même proprio. Ah ouais, donc t'allais voir les matchs, t'étais en bas, quoi. Voilà, fou, pas, voilà. Ça, ouais, c'est MLSI, c'est le groupe MLSI. Et en fait, leur gros truc, c'est comme s'ils avaient l'opérateur du Canada. Quoi. Ouais, ouais. Du coup... ils sont blindés, ils sont pleins. Ouais, ouais. Ils sont trois, mais il y en a un que tu vois, mais les autres, tu ne les vois jamais. Et je les ai vus une fois quand on a fait les photos d'équipe. Mais sinon, ouais, du coup, un jour, j'étais avec un pote à moi. En fait, on demande des places. Et en fait, c'est pas forcément ils nous mettent devant, mais... Tu as des bonnes places, quoi. En fait, on a toujours des bonnes places. Ils nous disent, ouais, bah, vous voulez, je t'envoie un message à un mec du club. Ouais, il te donne deux, trois places, comme tu veux. Je suis avec un pote à moi, il lui dit, un pote à moi d'ici... Et je dis, je veux deux places. Il me dit, ok. Maintenant, j'arrive parce qu'on est super bien accueillis aussi. L'accueil est tout parfait. Parce qu'ils savent que tu es du club, etc. Voilà, ils savent. Tu donnes ton nom, ils te connaissent. Et elle me dit, la secrétaire, c'est la réceptionniste, ouais, là, vous avez des superbes places. Je dis, ah ouais. Je dis, ok. Et on marche, on passe à côté des vestiaires, on passe dans les tunnels et tout. Et je vois, on marche, on était le courtside, comme il dit. Mais là, on voit bien au milieu. Là, on marche à travers tout le monde. Et là, en fait, on avait la place du propriétaire. Ah ouais. Ouais, il nous avait mis cette place. Le propriétaire, sa femme, qui est tout le temps là quand c'est son match. T'étais à côté de Drake. Quoi. Et là, c'était nous. On était là. Incroyable. On était là, posé. C'était contre Oklahoma en plus. C'était un superbe match et tout. Mon pote, il en revenait pas. Je dis, ouais. Et pour Kevin Durant, c'est ça. Mais moi aussi, ouais. Mais moi aussi, j'en reviens pas. Je suis là, j'en reviens pas. Moi aussi, tu vois. On était au plein milieu, on entendait tout là. Tu vraiment. Ça tue. Ouais, c'était super. Ouais, fort. Dingue. Bon, ça passe très vite. On va essayer de pas te garder trop longtemps non plus. Serge Ibaka, c'est un gars sûr, non? Ouais, Serge, non, c'est mon gars. Hein. Franchement, il m'a mis bien aussi. Il m'a donné des places, plusieurs places aussi, quand j'avais besoin. Parce que quand on demande au club, c'est bien, mais on peut pas demander 5, 6, 7. Ouais, parce en fait, ils distribuent aussi à d'autres joueurs. Donc, du coup, quand j'avais besoin de beaucoup de places, je devais demander à lui directement. Et il m'a beaucoup dépanné de place. Je voulais te montrer une autre vidéo. T'es encore à Toronto. Ouais. C'est une vidéo assez marrante, mais qui fait écho à un événement qu'on a tous vécu. Et je vais te demander le contexte de cette vidéo juste derrière. Donc là, vous êtes à l'entraînement. Et il y a un putain d'alligator sur le terrain d'entraînement. Ouais. Cette vidéo est incroyable. Mais vous avez le gars là avec la golf car là. Ouais. C'est un ouf, hein. Mais lui, c'est pas un fou, c'est un malade. Il est à côté. Lui, il est à côté et il a attrapé l'alligator par la queue pour le faire sortir. Regarde, la dinguerie. Lui, il est à côté, lui. Hein. La dinguerie. Ah, c'est un ouf. Regarde. Mais non. Oh, la dinguerie. Et c'est un mec du club? Non. En fait, là. Cette période-là, c'était pendant le Covid. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, nous, on a été délocalisés en Floride pendant 4 mois. Quand tu dis vous, c'est tout le championnat ou juste vous? En fait, il y a eu deux parties. Ouais. Comme un peu le basket, si vous avez suivi un peu. Ouais. C'est qu'à un moment, il y a eu un tournoi un peu... Mais ils étaient à Orlando, d'ailleurs. À Orlando aussi. Mais là, en fait, nous, c'est l'année d'après où c'était encore fermé. Donc le Canada et les États-Unis fermaient les frontières. Du coup, tous les clubs canadiens, on était trois. Hein. On a dû déménager aux États-Unis. C'est-à-dire, à ce moment-là, on est resté 4 mois à Orlando. déménager, quoi. Ouais, déménager. Comment vous faites? Famille, c'est, tout ça? C'est famille, moi. Famille à Toronto. Moi, j'ai mon sac de foot, mais je suis en Floride. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez nous, on est à l'hôtel. Ouais. Donc, on ne sait pas. En plus, on ne sait pas quand on va rentrer. Voilà. Et en fait, là, on va à l'entraînement. Et en fait, en Floride, y a plein d'alligators. Ouais. Donc, il y en a plein. C'est ouf. Et là, on voit cet alligator. Il vient, le gars avec le golf, il vient, il tire l'alligator avec sa main. Nous, on essaie de jeter le ballon sur le pour voir s'il allait réagir. Et, ouais. Et en plus, c'est pas ça. C'est qu'il y avait un coin, là, une forêt. Passons là-bas, les mecs, ils allaient pisser là-bas. Oh là là. Et le truc, et ils auraient pu le croiser. Mais ils ont pu le croiser. Les mecs, ils sortent. Tu imagines? Imagine. Je suis mort. Peut-être que l'alligator. Je suis mort. Non, c'est magique. C'est énorme. De cette époque, t'es avec Quentin Westberg. C'est ça. Et il nous envoie un petit message vocal. Ah ouais. Et tôt le matin, écoute, super invité, super mec. On a passé énormément de très bons moments ensemble et des moments même plus difficiles.
Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y aura des sourires dans votre émission, il y aura plein de bons moments, mais le confinement au Canada et le Covid et toute cette période Covid a été très longue et très éprouvante pour nous et nos familles. Et avec Chris, en fait, on s'est vraiment serré les coudes. Voilà, nos familles étaient déjà proches, mais on a été déplacés en Floride, on habitait, nos deux maisons étaient l'une à côté de l'autre, en fait. C'était une grande coloc, tu vois, donc c'est plus qu'un ex-coéquipier, c'est la famille. Et puis sa famille aussi, d'ailleurs, donc voilà, des anecdotes, j'en ai un million, mais la globalité du message, c'est voilà, on a partagé des super moments et même des moments plus difficiles. Mais on a toujours été les uns pour les autres, et d'où ce grand surnom pour nos familles, la coloc, voilà. Bon, déjà merci beaucoup Quentin, parce que je te dis, je lui ai écrit ce matin, il m'a répondu en deux secondes. Ah ouais, ouais. Épisode qu'on a tous vécu, le Covid. Ouais. Comment t'as vécu ça? Pas forcément facile, même quand t'es footballeur pro, quoi. Non, nous je pense que ça a été difficile pour tout le monde. Hein. Et aux États-Unis en plus, ça a été vraiment hardcore, quoi. Nous on était aux États-Unis, le Canada c'était fermé, mais vraiment partout. Et en fait, quand t'es à l'étranger, c'est encore plus difficile parce que t'es tout seul, t'as pas ta famille. Moi, ma fille, elle avait à l'époque 2-3 ans, donc c'est un petit bébé, c'est encore un petit bébé, t'en occuper seul. En plus, moi, j'ai dû déménager, c'est-à-dire je suis parti en Floride, elle a dû rester avec la petite, avec elle à la maison, tout seul, pas de famille, de soutien, quoi. Pas de soutien, donc du coup, ça a été très difficile à ce moment-là. Et en fait... pendant les 4 mois, on a pu inviter les familles. Okay. Donc du coup, ils sont venus. Quand il dit la coloc, c'est qu'en fait, on avait deux maisons l'un à côté de l'autre. Et en fait, les enfants, ils couraient entre maisons et tout. Après, pour eux, je pense que c'était un peu les vacances parce il fait beau, il y avait la piscine, tout ça. Mais nous, en fait, on n'avait pas nos affaires. On était toujours en mode survêt de foot et sans savoir quand est-ce qu'on allait rentrer. Ouais. Donc du coup, c'était compliqué d'être dans l'inconnu. Et voilà, ça a rapproché nos deux familles, mais ouais, c'était compliqué quand même. J'imagine. Super mec, Quentin. Ouais. Super mec. Je vais perdre mon micro. Magnifique. On va clipper ça. Allez hop. J'irai, j'aurais dû faire carrière en deux. Tu viens d'attaquer une nouvelle aventure avec ton coach de Toronto, tu me disais tout à l'heure, à LA. T'en es où dans ta tête maintenant, dans ta carrière? C'est que du bonus? C'est quoi? T'as des nouveaux objectifs? T'as quoi dans ta tête? Bah, du coup, moi, en fait, moi, c'était. Quand il y a eu des moments assez difficiles, c'est que. Mon petit, le dernier, j'ai un fils entre temps. Ce fils, il avait des problèmes de santé à la naissance. Ok. Donc, du coup, ça. Ça a été une année galère, difficile. En même temps, c'était l'année passée. Okay. Donc cette année a été tellement difficile pour sportivement et en dehors du foot que c'était compliqué aussi pour moi. C'était encore une situation qui est venue, qui est tombée du ciel. Ouais. Donc, du coup, mon petit aujourd'hui va bien. Il a 13 mois, mais il a déjà subi 3 opérations à son âge. Donc du coup... assez compliqué et dur. Il y a des moments où tu te dis, voilà, je vais rentrer en France parce qu'en fait, t'as pas beaucoup de soutien là-bas. Ouais. En termes de sécurité sociale et tout, c'est une galère. Ouais, mais même en soutien moral. Moral et tout. Ouais, donc voilà. Et au final, donc du coup, saison plus compliquée sportivement sur le terrain. Un coach qui arrive parce que le coach en fronton, le coach qui m'a récupéré, il est parti 2 ans plus tôt. Avant. Ouais, 2 ans plus tôt, mais lui, il est parti parce que, bref, c'est un choix. Ouais. Il vient des LA, donc il est reparti là-bas. Le coach d'avant, il vient et il reste même pas. Lui aussi, il se fait virer. Le mec, il arrive, donc tu dis, Chanon, là, lui aussi, il est arrivé, il a resté. Il est resté même pas 6 mois, il s'est fait virer. Après, le coach Caro, c'était son adjoint, donc on termine la saison avec lui. Donc l'année dernière, ils amènent un nouveau coach. Franchement, c'était chaud lui aussi pour lui, hein, parce qu'on a terminé dernier ou avant-dernier, mais il est resté quand même. Et là, finalement, c'était tellement compliqué entre moi et lui, donc du coup, j'aurais pu rester. Ouais. Mais j'avais en fait, avec l'histoire et tout, on voulait un nouveau départ, quoi. Ouais, voilà, un nouveau départ. Donc, du coup,
si tu me demandes, c'est un reset. Parce que de toute façon, le football, chaque année, tu appuies sur le bouton reset. C'est mise à jour chaque année. Ce que tu as fait hier, on s'en fout. Ouais. C'est le temps, c'est le moment présent. Donc du coup, j'ai gagné champion et j'ai gagné énormément de titres avec Toronto. Mais on, là, c'était comme si j'avais rien fait quand on est en négociation. Donc du coup, j'ai dit, bon, ouais, je ferai un nouveau départ. Maintenant, voilà, moi, j'ai envie de regoûter au titre, j'ai envie de gagner quelque chose. Donc, du coup, je connais ce coach, je connais un peu le groupe. Je pense qu'il y a un bon groupe. Il y a des joueurs que tu connais Des joueurs que tu connaissais déjà dans l'effectif Ouais, des mecs qui étaient déjà à Toronto avec moi, qui sont partis un peu plus tôt là-bas. Le mec qui est assis à côté de moi, l'Américain. Après, ouais, deux, trois mecs. Après, il y a le Français, un Français, Sega Koulibaly. Il y a Samuel Grandsir, bah, je parlais avec lui ce matin, mais il va, là, il est à Wavre. Il va rentrer. Il va rentrer en France, donc du coup... non. Après, moi, c'est le staff, tout le staff, je le connais, le staff du coach. Après, il a gardé son staff. Ouais, il a gardé son staff. Mmh. Après, moi, de toute façon, c'est repartir à la guerre. En fait, j'ai une année, on va dire, c'était compliqué. Là, je veux dire, voilà, je recommence et maintenant... Voilà, tu te sens prêt à remettre de la force, ouais, tout ça. Nouveau départ. Nouveau comme départ. Quoi, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais est-ce qu'au final, tes années de galère, Russie, tout ça, ça ne t'a pas aussi forgé mentalement? Ouais, ça m'a forgé. Hein. C'est parce que ce moment-là, c'était difficile hein, avec mon fils et tout. Ouais. Rester à l'hôpital, aller dans... C'est comme... je vais faire un comparaison, c'est l'hôpital Necker. Là, tu es dans un... En fait, pendant l'année, pendant les saisons à Toronto, j'allais là-bas... avec le survêt de Toronto pour faire des visites faire des visites aux jeunes et en fait là j'étais de l'autre côté de en fait moi j'étais là le parent en fait ça là je me disais en t'aurais fait, pu les recevoir mecs, une visite de ton équipe quoi exactement parce que moi j'étais à l'hôpital mon petit il était branché dans tous les sens et en fait là tu sentais aussi seul t'es dans un trou tu vois ton petit tu dis pourquoi il vit tout ça et moi t'es là t'es impuissant et l'hôpital, c'est un monde trop stressant. C'est un monde trop stressant. Et en plus, quand tu sais qu'à deux jours, le ton petit il fait une opération, il part 5 heures au bloc. Ouais. Pendant 5 heures, t'es figé dans la salle d'attente. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le moment de stress, c'est... Ouais. En fait, j'ai eu un épuisement mental et moral là-bas. Et donc, c'est pour ça que de partir de cette ville, c'était... Pourtant, j'ai kiffé. T'as adoré. J'ai kiffé cette ville. Mm-mm. Mais c'est juste pour que bol d'air. Je recommence. C'est comme quand je dis je vais à la MLS. Je pars pour aller à la MLS. Mais là, en fait, je ne peux pas forcément partir à l'extérieur parce qu'on veut quand même. Parce que le suivi à Toronto, il est quand même exceptionnel. C'est un super. Les gens qui. L'hôpital, le SickKid s'appelle, ils ont, sont super menés. Ils ont géré. Ils ont géré. C'est parce que c'est une maladie assez rare. Donc, du coup, ils ont vraiment bien géré. En plus, j'ai rencontré plein de médecins, de docteurs, de cardio français qui se sont mis dans le dossier. Donc, du coup, qui fassent un peu la traduction quand on en avait besoin. Okay. Et donc, du coup, on voulait continuer, mais pas être trop loin de parce que voilà, il a encore des visites, il a encore plein de... Du coup, vous devez retourner à Toronto Du coup, là, c'est ma femme, du coup, pour le coup, parce que voilà, moi, je peux pas, je suis en pleine saison. Bien sûr. Mais aujourd'hui, voilà, il est entre... Aujourd'hui, je suis entre bonnes mains, donc du coup, moi, je suis tranquille et je peux, on va dire, repenser à ma carrière. Et voilà. Ça régale. Bon, déjà, c'est super cool de savoir qu'il va mieux. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire des joueurs un peu qui t'ont marqué en MLS, peut-être marqué dans le négatif, dans le sens justement des joueurs qui avaient peut-être une très belle image ou une fame cool, tu vois. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'ils ne prenaient pas du tout le projet MLS au sérieux. Et à l'inverse, des prospects, des petits joueurs américains ou canadiens dont on va entendre, ou mexicains qu'on va entendre parler dans les prochaines années. Oh, les mecs. J'ai pas beaucoup de noms, hein, ceux qui ils ont pris à la légère. Ouais. Ibra, on peut dire, il a pas pris le truc à la légère. Ouais, non, Ibra, il a joué. Hein. Ouais. Il a été. Moi, j'ai joué contre lui, il nous a mis doublé. Hein. Ah ouais. Ouais, non, lui, il a joué, lui. Des prospects, si t'as pas forcément prospect. En fait, il y a des noms que j'avais. On m'appelle à l'époque quand je suis arrivé. Il y avait des noms que je m'amusais à donner des noms à mon agent. Ouais. Et lui dire voilà, il y a des joueurs, tu le regardes là, propose-les en Europe, on sait jamais, tout ça. Et j'ai l'anecdote de Alphonso Davies. J'allais te demander à propos d'Alphonso Davies.
En fait, quand on joue Alphonso Davies, il a 16 ans, je crois, à l'époque. Okay. Ouais. Il joue à ce moment-là ? Il joue à Vancouver. À Vancouver ? Okay. Ouais, il joue à Vancouver. Moi, je joue contre lui parce que Canada, on joue souvent contre les Canadiennes. Ouais. Et je lui appelle mon agent, je lui dis, écoute, il y a Alphonso Davies, c'est un monstre. Et tout, il faut le... Je sais pas, le proposer en France pour des clubs et tout. Et je lui dis un nom du club. Hein. Il le propose à Saint-Étienne. Ok. À l'époque, on était en Ligue 1, qui n'était pas aujourd'hui Saint-Étienne, qui est en Ligue 2. Donc ton agent propose Alphonso Davies à Saint-Étienne ? Il m'appelle, mon agent, il me dit « Ah, mais on veut pas de ce joueur. Il joue pas dans un pays du foot. » Par du Canada. On joue pas au foot au Canada. Un peu avant-coureur, un signe avant-coureur de ce qui arrive à Saint-Etienne actuellement. Quoi. Mais c'est ce manque de respect qu'il y a eu très longtemps en France vis-à-vis de la MLS. Et regarde, ces dernières années, ça a été tout le contraire. Quand tu vois Lens qui va recruter Frankowski en MLS, c'est une valeur sûre. Il continue à prospecter là-bas. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est de dire qu'en fait, il y a des bons joueurs partout. Mm. En fait, peut-être que le joueur, il n'est pas dans la ville ou dans une ville de foot, mais peut-être ce joueur, tu le mets dans un autre contexte, il explose. Bien sûr. Et aujourd'hui, Alphonso Davies, le Bayern est mis sur lui, personne ne le connaît. Ouais. Il prend les couloirs, il prenait le couloir gauche comme si c'était le même. Hein. Et avec le charisme. Ouais. Parce que bon, il faut le dire quand même, la culture américaine te fait naturellement travailler ça, je trouve. Personnellement, de par mon expérience, il a tout niqué, quoi. Tu vois. Il a rêvé, sans complexe, il a rêvé, il a taffé tout le monde. Ouais. Il est passé du mec inconnu comme latéral gauche le plus cher au monde, ou je sais pas quoi, en même pas un an. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, le problème est là. Ouais. C'est-à-dire, moi, je peux te donner des noms de joueurs. Et les gens vont dire, mais non. Après, c'est vrai que c'est difficile de juger un joueur quand il a 16 ans, il a pas encore joué, mais des mecs, ils ont des qualités exceptionnelles. Moi, il y en avait deux. Il y avait lui, et là, il joue à, comment il s'appelle, Adams. Il joue en Angleterre, à Leeds, le milieu terrain capitaine des États-Unis. Ouais. Lui, pareil, quand on joue la première fois contre lui, il a 16 ans, il avait rien fait. Et. Après, il est parti. Sur le potentiel direct. Sur le potentiel, je dis, mais lui, c'est un super joueur. Après, au final, mais après, lui, il était à New York Red Bull. Donc, du coup, après, Red Bull, quand ils sont dans la Red Bull, c'est. Dans la galaxie, Salzburg, voilà, ils vont à Salzbourg ou à Leipzig quand il est bon. C'est difficile de sortir un truc. Même à City, si t'as un bon joueur qui est là-bas, City. Qui est dans le groupe, il va direct dans un autre club de City. Ouais. Et voilà. Après, il y a plein de bons joueurs qui sont. Je dis des noms, mais. Torres de Orlando, il y a. Un petit Torres, c'est un Uruguayen, pas mal, très fort. Il était dans le groupe de Coupe du Monde, Almeida, je crois, Almeida, comme ça. Super joueur aussi. Ça, c'est des joueurs, je te dis pas pour la France, parce que eux, c'est d'autres profils. Ils sont plus petits, ils sont moins costauds pour la France, donc du coup, ils sont très forts techniquement. Ouais, c'est plus l'Espagne, mais tu vois, Alphonso Davies, je le vois en France. Ouais. Parce que. Carrure, le corps, costaud, tu vois, lui, je te dis, bonne pièce. Frankowski, j'ai joué contre lui, c'était un numéro 10 à l'époque, super fort, super fort. Et quand il est parti, je me dis, lui, mon joueur, moins sûr pour l'autre, l'attaquant qui est Buxa ou je sais pas quoi. Ouais, lui, j'étais sceptique. Qui est aussi à Lens. Là, pour l'instant, il est blessé ou je sais pas, il joue pas. Donc, du coup, j'attends de voir. Ouais. J'ai joué contre lui plusieurs fois, tu vois, l'attaquant, défenseur. Moins sûr, mais on verra, parce que Lens aujourd'hui, c'est un contexte, on dirait, magnifique. Les joueurs qui rentrent dans l'équipe, ils vont performer. Tu vois. Il y a tout qui est bien fait pour ça. N'hésitez pas, on va encore être avec Chris quelques minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, c'est le moment si vous avez des questions. Ismaël Koné, il vient d'en parler. Ouais. Lui, j'en ai parlé. Super joueur. Là, il a signé cette année en championship à Watford. Il vient de signer à Watford. Il a fait ce premier match la semaine dernière, ou je ne sais pas combien de temps. Superbe match. Il y a un gars qui s'appelle Chris Mavinga aussi qui est très chaud. Par contre, c'est chaud pour ses entraîneurs. Je vois qu'il est croise. Jonathan David, bien évidemment. Mais les gens essaient Almeida. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vois des supporters de Saint-Etienne qui ont très mal vécu ton anecdote. Peut-être ton anecdote, elle va faire le tour du monde. Saint-Etienne qui a loupé Alphonso Davies. Je peux te dire que ça va faire le tour du monde. Je t'entends parler de ton flair un peu pour les talons.
ça me fait forcément... J'ai pas envie que ta carrière de footballeur s'arrête demain. Ouais. Mais j'imagine t'arrives à un âge où tu commences à réfléchir. Et comment tu peux poser cette question, Lemel? Tu crois que pourquoi tous les entraîneurs ils sont virés? C'est parce qu'ils savent que c'est lui là, la suite. Tous ces entraîneurs qui sautent. Tu commences à réfléchir à l'après-carrière? Ouais, ouais, non, mais... Ouais, je réfléchis. Déjà, je veux pas devenir agent. Ok. Ça, c'est... Mais tu te vois rester dans le foot, du coup? Non, je me vois rester dans le foot, ouais. Pas devenir agent. En fait, soit dans un rôle plus entraîneur au centre de formation. Transmettre. Transmettre. Ou soit dans le recrutement. Mmh. Voilà, c'est... Tu passes pas tes diplômes d'entraîneur, non, si Non, je passe pas encore mes diplômes. Parce qu'en fait, je crois qu'à l'étranger, c'est compliqué. Parce que je sais que Chirou l'avait fait, mais il me disait déjà... Il n'y a pas eu d'équivalence L'équivalence, je pense qu'aux États-Unis... Parce qu'il y a beaucoup de nos entraîneurs aux États-Unis, même des jeunes, qui viennent en France pour compléter leur formation. Tu comptes finir ta carrière en France ou en Europe ou finir aux États-Unis? Là où on veut. Hein. Ouais. En réalité, moi j'ai tellement compris que dans ma carrière, que tu vas là où on te veut. Hein. Mm. Aujourd'hui, j'ai compris que je décidais derrière. Ouais. Mais ça te fait quel âge maintenant, Chris? Moi, ça fait 31. 31, tu peux rendre service, moi je pense, dans des clubs... En Ligue 1, c'est pour encadrer surtout des clubs formateurs. Tu vois, hier, par exemple, dans l'After, on a fait une émission sur les clubs qui formaient. Il y a beaucoup de clubs qui forment, comme Montpellier, par exemple. Mmh. Tu vois, il y a Toulouse aussi qui est dans les clubs qui forment beaucoup. Je pense qu'ils ont besoin de mecs qui ont vu plusieurs choses, qui ont vu des profils différents, qui sont prêts à encadrer, qui sont passés par la formation française, mais qui ont aussi un peu bourlingué. Mmh. Et moi, je pense que ça peut rendre des services. Après, je te comprends si tu préfères passer ta vie à Los Angeles. Non, bien évidemment. De toute façon, je pense que. Moi, on parlait, j'ai signé 2 ans, j'en reste sur mes 33. Après, je pense que ouais, la boucle en MLS, ça sera bouclé. Je pense que je vais rentrer en France. Là, je disais que j'étais un peu forcé à rester en MLS, c'est parce que le petit, par rapport à son suivi médical. Donc, du coup, après le retour en France, j'ai des contacts. Hein, Batabou Ligue 1, Ligue 2. Mais voilà. Pour le petit, t'as préféré. Pour le petit, j'ai préféré. Peut-être que je serais déjà rentré déjà. Mmh. Ouais. C'est juste que là, c'était la priorité, c'était le petit. Et après, voilà, à un moment donné, quand t'as 33, 34, t'as plus les mêmes exigences. Hein. Ouais, tu sais que ça sera plus pour encadrer et aider les jeunes que enchaîner les matchs. Viens à Laval, s'il te plaît, nous dis Farang. Ça, c'est un mec qui veut faire sauter son entraîneur. Déjà. Non, mais je suis plus à Chanor, c'est bon. Là. Ouais, t'es passé la référence maintenant. Alors 10-2, 10-1, je t'inviterai à regarder replay concernant le passage de Chris à l'Estac, mais c'était pas forcément le meilleur souvenir de sa carrière. Le Havre, un autre très bon connaisseur de ballon, Mathieu Bodmer, pour terminer la carrière. Ah oui. Mathieu, tu as échangé un peu avec lui? Non, j'ai pas échangé avec lui, mais je l'écoute. Hein. Il est incroyable. Mais c'est un bonheur de l'écouter. Moi, Sinbad, j'arrive, t'en fais pas. Je passe beaucoup de temps à discuter avec lui, tu sais, du foot et tout. Je sais pas s'il se rappelle de moi. Parce que moi, quand je m'entraînais avec les jeunes du PSG, il était là. C'est sûr qu'il se rappelle de toi. Il connaît tout le monde. Ouais. C'est un fou. Ah, mais si je dis une connerie, je crois qu'il se rappelle de moi parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram, un des deux. Et c'est lui qui m'a suivi. Donc, du coup, je pense qu'il est fou de football. Mais... Et lui, il est très fan, comme il n'a pas beaucoup de budget, des joueurs libres. Libres. Donc, le jour où tu seras libre, il est fort possible qu'il t'appelle. On va faire la connexion. Non, mais c'est. Pour revenir à Mathieu, Lémi aussi, il le voit, c'est. C'est, franchement, j'espère un jour que tous les directeurs sportifs seront comme lui, parce qu'il est d'une passion. Ouais. Tu sais, il a une tablette, il marche toujours avec sa tablette, il regarde tous les matchs, des U16 au championnat lituanien, il regarde partout, c'est un vrai fan de football, il est amoureux du foot. Et même dans sa méthodologie, dans sa manière de travailler, c'est un des rares directeurs sportifs qui est sur le terrain. Alors il laisse le travail à l'entraîneur, mais il n'hésite pas à les attraper après les séances. Enfin, voilà, sur tel match tu as fait ça, essaie de modifier cette attitude, essaie de modifier ce geste là ça c'est très bien ce que tu as fait. C'est vraiment un vrai passionné. Et on le voit dans l'épisode de Denis avec Florian, où il dort dans le stade. Quand il est au Havre, il dort dans le stade. C'est un passionné, c'est un vrai. Il y a des loges où il a installé sa chambre, il dort dans le stade. Ouais, le mec. Il est déjà en train de réfléchir à 2 saisons après. Je te jure, c'est incroyable. Bravo à Mathieu. Ouais. Chris, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, j'espère que ça va, t'as pas trop mis dans la sauce, tu t'es senti à l'aise. J'espère que ça a été. J'avais dit, hein, moi je viens, il y a décomplexé. Hein. Franchement, ça régale. C'est un plaisir de pouvoir parler avec toi et avec Dougeur qui osent s'ouvrir, qui n'ont pas peur de parler des bons côtés comme des mauvais côtés, d'assumer aussi cette dépression que tu as eu à un moment donné. Il y a
c'est un côté qu'on essaie de mettre. Ouais. Voilà. C'est et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant sur Twitch, en tout cas ici. Merci d'avoir partagé ça. T'es le bienvenu quand tu veux, vraiment, sache-le. Ouais, mais gagne quand même la MLS avec Los Angeles. Gagne la MLS avec Los Angeles. Et t'es venu avec un maillot ou t'es pas venu avec un maillot? Ah, il est venu les mains vides. Mais, je suis plus à Toronto et j'ai pas encore mis les pieds. T'as pas récupéré les maillots en fait? J'ai rien là. Bon, quand on ira à Los Angeles, on t'appelle. Ce maillot de Los Angeles, il fait kiffer quand même. T'as pris quel numéro? Je dis pas encore. Ah, c'est pas encore officiel le maillot et tout? Non, le maillot, en fait, j'ai pas. T'as pas encore fait ta photo avec? J'ai pas encore choisi le numéro. Okay. Ils m'ont donné la liste, mais je sais pas encore. Ça va être le 3, le 23, comme d'hab? Non, le 23, on m'a dit c'était pas possible. Ah. Et le 3, j'ai pas envie de le prendre. Ça y est? Non. Le 5, un truc, tu vois. Bah, 5, peut-être il est pris, mais le 3, non. Bon, 12 qui lâche la petite dernière question dans la sauce, c'est qui le joueur le plus nul que tu as vu réussir? Il doit y en avoir. Arrêtez, il reste encore en sa carrière quand même. Il va être bien dans la sauce, mais laissez-le tranquille. Quoi, le joueur le plus nul, c'est grave de dire ça. Ouais. C'est ouf, t'imagines. Tu sais quoi, il n'y a pas de joueur nul hein, en réalité. Hein. Ouais. C'est tellement difficile d'être joueur professionnel. La légende du joueur qui a réussi grâce au bon agent, il n'existe pas. Bah, en général, tu réussis un an, ça. Okay. Mais quand tu fais une carrière, en général, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Ouais, elle est quoi, ouais. En fait, c'est tellement compliqué. Il n'y a pas de joueur nul. C'est-à-dire, s'il est là, c'est qu'à un moment donné, il l'a mérité. Tu vois, chacun. T'as vu, moi, je suis monté super haut. Au final, je suis pas resté là-haut, mais déjà, il y en a, ils vont dire, si, je sais pas, je prends les stops de Reims ou 3, ils vont dire peut-être, ah, lui, t'es nul, lui, tu vois. Mais à Toronto, dans un club, c'est privé, ils vont dire, meilleur lui, défenseur. Voilà. Donc, en fait, c'est des contextes. C'est-à-dire que je suis dans un vestiaire, le mec, je me dis, mais il est nul, lui, en fait. Ouais. Mais après, l'arrivée là-bas, c'est un... En fait, il est bon. Quoi. Ouais, ouais. Donc, ce qui paraît, les supporters de Kazan, ils disaient, tu t'entraînais bien. Tu t'entraînais bien, ça. Ouais. S'entraînais beaucoup, ça. Dernière question, on va se quitter sur ça. C'est une question que je voulais te poser à la fin de cette conversation avec toi. Malgré que c'était peut-être pas la trajectoire que tu t'étais imaginé en début de carrière, ouais. Est-ce que t'es fier de ta carrière? Bien sûr, je suis fier. Et ça, ouais, ça régale. Moi, je suis content. Hein. Vraiment. T'as quand même un petit palmarès sympa, quand même. Bah oui. Ouais, et surtout que je trouve que t'as un parcours de vie qui tue. Ouais. Ça tue de fou. Et je pense que c'est le parcours de vie et de joueur qui te prépare parfaitement au reste de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je me rappelle où j'ai commencé. Je pensais pas un jour jouer genre une finale de Stade de France avec Rennes à 90 000 personnes. Donc, en fait, ces moments-là où même des jouer un match à Tigresse dans le club de Gignac là-bas, c'est le feu. Donc, tous ces moments-là que tu vis, tu dis, mais voilà, tu vois, tu dis, c'est de la chance. C'est un vrai kiff. C'est kiff, tu vois. Donc, du coup, non, moi, aujourd'hui, je suis fier. J'ai fait des matchs avec des expériences. J'ai joué, je sais pas, joué avec des chapeaux, mais j'ai eu la Coupe d'Europe avec Rémi Kazan et Stade Rennais. J'ai joué à Celtic, des ambiances incroyables, à l'Atlético Madrid. Voilà. Ça tue. T'as une belle carrière. Et en plus, tu vas bien finir à Los Angeles. Nous, on va venir récupérer des maillots là-bas. J'ai bien fini. Après, je vais bien finir en France. Bien sûr. Et j'ai des potes à checker. Moi, je suis sûr en plus que tu peux rendre service à énormément de clubs qui font n'importe quoi dans le recrutement. C'est clair. Bon, en tout cas, on espère que vous kiffez ce nouveau format qui s'appelle Dans la sauce. On essaie de. Bravo, les Muels. Ouais. Bravo. Bah, bravo, merci, à toi. Bravo à toi. Merci, ça rigole, c'est cool. Deux annonces à vous faire. Oulala. Ce soir, bien évidemment, il y a le début de l'after et on vous diffuse Sporting Vizela. Vous le savez, il y a du foot gratuitement sur Twitch. Truc de ouf quand même. Ah ouais. Du foot gratuitement sur Twitch. Championnat portugais tout le week-end, le meilleur match. Dimanche, gros rendez-vous. On en est très fiers. Très, très fiers. On diffuse le premier match de championnat de Cristiano Ronaldo. Oh, ça a coûté de l'oseille, ça, en plus. Ça a coûté de l'oseille, donc soyez bien là, 18h30 dimanche, soyez bien là. On fait le maximum pour vous régaler de jour après jour. Et voilà. On vous laisse avec la fin de Rotten sans flamme pendant que je raccompagne Chris et que je vais chercher Sinbad en bas. Et Inch'Allah, un jour, Chris, il viendra avec un maillot. Mais frérot, de toute façon, t'es le bienvenu maintenant, t'es à la maison, tu reviens quand tu veux. Bye la mif, on se retrouve de suite. On vous laisse avec Rotten. Du love, de l'amour pour Chris dans le chat et on se revoit de suite. Bye la mif, j'ai coupé mon micro tantôt. Beaucoup de